Jésus ne parlait pas de lui-même. Jesus don't speak of himself. Jésus disait toujours. Jesus always said, je ne cherche pas à faire ma volonté. I don't try to do my will. Mais la volonté de celui. But the will of the one who has sent me. La gloire de Dieu dans la maison. The glory of God is in the house. La gloire de Dieu. The glory of God. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren in the Lord. Je vais dire à une personne. I want to tell somebody. Son cœur est tellement dérangé. The heart of this person is very troubled. Tu es dérangé dans ton cœur. You are disturbed in your heart. Ton cœur est tellement dérangé. Your heart is really disturbed. Mais. But. Ne t'inquiète pas. But don't worry. Je vais prier pour les guérisons. I'm going to pray for healing. Il y a des gens qui sont malades ici. There are some people who are sick here. Depuis la maison, from whom? Le Seigneur me parlait. The Lord spoke to me. Je suis venu ici. And I came here. Le Seigneur me parlait. The Lord also spoke to me. Tu seras guéri. You'll be healed. Alléluia. Amen. C'est sa parole. Alléluia. Amen. Acclamez pour la gloire de Dieu. Let us clap for the glory of God. Acclamez pour la gloire de Dieu. Let us clap for the glory of God. You see how she's walking? You see how she's walking? Tu peux montrer l'église comment tu marchais le vendredi et demain quand tu es venu à l'intercession. You can show the church the way you were walking from Friday until yesterday. No, no, no. Alléluia. 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 Écoutez. Listen. Nous prions un Dieu qui est vivant. We pray to a living God. Il est venu le vendredi au magasin. She came on Friday to the shop. Je dis laisse que je prie pour toi. And I told her, let me pray for you. Elle me dit non, j'ai prié à la maison. She said no, I prayed at home. Il y a pas de problème, j'ai laissé. Then I said there's no problem. Quand il est venu demain à la prière. But when she came yesterday during quand the prayer. Quand je l'ai vu, when I saw her, elle marchait toujours comme she ça. Was still limping. Je n'ai rien dit. I didn't say anything. Je priais dans mon cœur. I just prayed je in my heart. Je priais dans mon cœur. I prayed in my le heart. Le Seigneur est venu sur moi. Then the Lord came upon me. Alors le Seigneur m'ordonna d'entamer une cantique. Then the Lord ordained me to sing one song. It is a good thing to follow Jesus. It is a good thing to follow Jesus. It is a good thing to follow Jesus. Walking in the light of God. Oh, what, 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 what? Walking in the light. Oh, what, what, what? My God is vous voyez, elle marche très bien. Can walk very écoutez-moi. Well. Listen to il y a la puissance. There is power. Pour guérir toute maladie. To heal all the sicknesses. Va t'asseoir, merci. Non, je voulais simplement vous montrer. I simply wanted to show nous you. Ne prions pas un Dieu qui est mort. We don't pray to a God. Mais nous prions un Dieu. A God that is God. But qui we pray to a God that was dead. Après trois jours. And after three il days. Il est ressuscité du tombeau. And he will be raised from the dead. And he was clothed with all glory. He was clothed with all power. Il est monté. And he went up miraculously au ciel. To heaven. Et juste à présent. And until present. Il est à la droite du Père. He is at the right hand side of the Father. And his power. Cela se manifeste
is manifested in our lives. Hallelujah. Amen. The Holy Spirit told him today, there are lives of many people that are going to change. Many people will come to know their destinies. Because you don't serve a God that is Hallelujah. Dead. Amen. Écoutez-moi. Listen to Je me. Parler de la part du Saint-Esprit I want to speak from the Holy Spirit something. J'ai appelé la fois dernière. Last time I called, ceux qui ont été addictés de prendre les médicaments. I called upon the people who are addicted to taking medicine. Mais écoutez ce que le Saint-Esprit vous dit. But listen to what the Holy Spirit is telling you. Croyez. Believe. Vous n'allez pas tomber. You have not fallen down. Vous n'allez pas tomber. You have not fallen down. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu libère une parole. Because when God releases a word. Il y a la puissance derrière la parole de Dieu. There is a power of God behind that word. It is written. Quand Dieu a dit un mot. That when God says a word. Que la lumière soit. That let there be light. La lumière fit. And the light came. Vous comprenez? Do you understand? Dieu a parlé. God spoke. Tu as écouté le message. And you listen to the message. Let me tell you. This sickness will not destroy you. Alléluia. Amen. Même si tu arrêtes de prendre les médicaments. Even if you stop taking the medicine. You will not die. Parce que Dieu a libéré la parole. Because God has released his word. And the Bible says. Il a créé toute chose par la parole. That he created everything. Because la parole a la puissance. Because the word has power. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Listen to the Holy Spirit and obey him. Oh, la gloire de Dieu dans la maison. The glory of God in the house. La gloire de Dieu. The glory of God. Toi, tu as des problèmes. You who has a problem. Ton cœur est tellement dérangé. Your heart is really disturbed. I can also feel it. Mais écoutez seulement le son de ma voix. Simply listen to the voice of the song of my voice. Ici. Listen to what oh, I say. Oh, le miracle de Dieu va traverser ton cœur. The miracle of God is going to and you'll be changed. Hallelujah. Amen. Ton problème. Your problem. Deviendra seulement. Will simply become. Deviendra seulement. Will simply become. Un témoignage. A testimony. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. N'ayez peur de rien. Don't be afraid of anything. Hallelujah. Amen. J'ai ici avec moi. I have here with me. Les enseignements que je vous ai dit la fois dernière. The teachings that I told you last time. Nous allons bénir chaque dimanche ceux qui travaillent à l'église. That you're going to be blessing the people who work in the church every Sunday. Le message que le Saint-Esprit m'a donné est là. The message that the Holy Spirit gave me is here. Laisse-moi vous dire. Let me tell you. Il y a des gens, leur vie financière doivent changer. There are some people who their financial life has to change. Mais vous ne comprenez pas. But you don't understand. C'est là aujourd'hui je vais vous aider. That is why today I'm going to help you. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Il y a des grands hommes riches, femmes, hommes et femmes dans cette église. There are great women and men who are rich in this church. Il y a des millionnaires dans cette église. There are millionaires in this church. Mais vous ne savez pas. But you don't know. Vous avez besoin d'un prophète. You need a prophet. Qu'il vous parle. Who's going to speak to you? De la part de Dieu. From God. Que vous croyez. So that you can believe. Mais le prophète est là. But the prophet C'est lui is qui there. Vous parle. He's the one who speaks to you from God. And you are going so that he can give you the instructions. Your story, your life is going to become a story. People will start talking about you because of God's hand. Today the Holy Spirit told me there are people who will know their destiny. They will know their destiny. Pense pour leur vie. So we come to know what God is thinking concerning their life. Alléluia. Amen. Nous ne servons pas un Dieu mort. We don't serve a God that is dead. Alléluia. Amen. Le pasteur Eto m'a dit hier. Pastor Eto told me yesterday. Il attend vraiment la participation de l'Église massivement dans cette conférence. That is massively waiting for the participation of the church in the program that they have. Donc ils ont ce programme le samedi. The program is on a Saturday. Vous savez vous-même. You yourselves know. L'année prochaine on avait deux séminaires. Last year we had two seminars. Ils ont fermé leur église dès dimanche. And they closed their church for two Sundays. Sans prier. Without praying. Sans avoir le culte. Without having the church service. Ce n'est pas beaucoup de pasteurs qui le font. Not many pastors can do that. Vous êtes des témoins. You are testimonies. Ils attendent aussi notre participation. And they're also waiting our participation. Ne vous inquiétez pas pour les transports. Don't worry yourself because of the transport. The church is going to organize. Afin que nous puissions nous tous partir là-bas. So that all of us can go there. Nous n'aurons pas le programme le samedi ici. We will not have the program certain ils là-bas. Because we have to participate there. Qu'est-ce que j'ai dit le dimanche passé? What did I say last Sunday? Je vous ai parlé. I spoke to you. De la part du Saint-Esprit. From the Holy Spirit's side. Et vous connaissez vous tous notre message. And we all we know our message. Valoriser. Valuing. Le thème c'était. Valoriser. Valuing. Les talents. The talents. Les talents. The talents. Les talents. The talents.
que Dieu that God vous a donné. Has given you. Alléluia. Amen. Vous comprenez, peuple de Dieu? Do you understand, people of God? Valorisez. Valuing. Ce que Dieu a mis entre tes mains. What God has kept in your hands. Saint-Esprit, merci. Holy Spirit, thank you. Et ta gloire. May your glory couvre toutes les choses. Cover each and everyone. Merci. Thank you. Parce que ta présence. Because your presence est dans cette maison. Is in this house. Gloire te soit rendue. May glory go back to you. Merci. Thank you. Parce que tu vas faire un bon travail au milieu de nous. Because you're going to do a good work amongst us this afternoon. Tu vas amener ton peuple sous tes pieds. You are going to bring your people there before your feet, so that they can obey the instructions of the Father and the Son, and also submit themselves to your instruction as their Lord, as their Lord. Holy Spirit, merci. Thank you. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. J'ai dit ceci le dimanche. I said this on Sunday. Le don que Dieu nous a donné. And the gifts that God has given us. Le talent que Dieu nous a donné. The talents that God has given us. Je vais prier pour toi. Ne t'inquiète pas. Tu as vraiment mal au niveau des coups. I want to pray for you. You have pain this time. Attendez, je vais prier pour but wait, I'm going to pray for you. But let me first of all talk. Je sais, tu as mal, I know that you are in pain, but let me first of all talk. I'm speaking to somebody. You really have pain. Follow me very well. I'm speaking to someone that has having pain. Don't worry. Je vais prier, mais laisse-moi premièrement parler. I'm going to pray, but first of all, let me talk. Quand je vais prier, tu seras guéri. When I'm going to pray, then I'm going to be healed. Don't worry. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas. Don't worry. Oui, ne parle pas. Pourquoi seulement il dit son douleur? Moi aussi j'ai des douleurs. Don't say why is he saying? Je sais, toi aussi tu as des douleurs. Je sais, il y a des douleurs de ce côté. Ne t'inquiète pas. Don't worry. Ne t'inquiète pas. Don't worry. Je vais prier pour toi. I'm going to pray for you. Je sais. I know. Je vois tous qui sont malades ici. I can see all that are sick here. Je vois parce que le Saint-Esprit me parle. Because the Holy Spirit spoke to me. Oui, parce que tu parles et la mienne, il parle seulement ici et la mienne. You oui, say, je sais. He's just talking about his, but he's not talking. He's not saying mine. I know. Cologne, ici. You are Cologne here. Oui, ici. The spinal cord. Cologne, ça mal. Your spinal cord is paining you. But wait. Let me first of all pray. Je vais prier. Then I'm going to pray. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez quand la gloire de Dieu est descendue? Do you know when the glory of God descends? The Lord operates great things. Do you understand? Quand le Saint-Esprit te touche. When the Holy Spirit touches you. Vous n'êtes pas, écoutez-moi. Listen to me. Vous n'êtes pas possédé, mais c'est le Saint-Esprit qui vous possède. You are not. Vous a possédé. You are not possessed. Hein? Yes. Mais Saint-Esprit a possédé. But it is the Holy Spirit that possesses. Vous comprenez quand une personne est possédée des esprits mauvais? When someone is possessed by the Holy Spirit. Il agit selon l'influence des démons. That person mais quand tu es possédé par le Saint-Esprit. But when you are possessed by the Holy Spirit, listen to quand me. Écoutez-moi, il y a la possession démoniaque. There is a demonic possession. La possession du Saint-Esprit. But there is also a quand le Saint-Esprit possède. When the Holy Spirit possesses you, listen to me. Écoutez-moi. Listen to me. Tu vas commencer à parler. You start talking. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a possédé. It is the Holy Spirit that has possessed you. Tu vas commencer à parler. Les gens seront dans l'étonnement. Mais qu'est-ce que you start talking, talking, and people will oui, be surprised. Tu es possédé du Saint-Esprit. It's because you are possessed of the Holy Spirit. Donc tu es devenu comme un robinet. Quand on ouvre le robinet, l'eau sort. You become like a tap. When you open the tap, then the water comes out. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Listen to me. Don't be afraid. Je sais beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. I know many things that you don't know. Ne vous inquiétez pas. Don't worry. Il y a une grande puissance ici. There is a great power here. There is a great anointing here. Qui peut détruire toutes les activités du diable. That can destroy all activities of the devil. Alléluia. Amen. Vous savez que le diable, vous pensez que le diable est content? You think that the enemy de tout ce que is Dieu fait à l'église? What God is doing le diable n'est pas content. The devil is c'est pour cela que vous me voyez. That is why you je see. Suis toujours dans la prière. I'm always in prayer. Pourquoi? Why? Le diable veut détruire ce que Dieu est en train de bâtir. The devil wants to destroy what God is building. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que nous allons rester les bras croisés? Non. Should you remain nous your hands closed? No, we also. Nous aussi nous allons élever une bannière. We have also have to raise a banner. Alléluia. Amen. Wow. Le don que Dieu nous a donné. The gift that God has given us. Le don que Dieu nous a donné. The gift that God has given us. C'est la richesse que Dieu nous a donné. These are riches that God has given que us. Que Dieu nous a accordé. That God has accorded to alléluia. Us. Amen. Mon peuple de Dieu. People of God. Pourquoi vous êtes troublés? Why are you troubled? Les dons. The gifts. Cela n'est pas à vendre. They are not to be bought. They are not to sell. Cela n'est pas à vendre. They are not to sell it. Alléluia. Amen. Mais c'est la richesse que Dieu nous a donnée. But these are riches that God has given. Oh, les dons, on l'appelle les dons spirituels. The gifts that you call the spiritual gifts. That means. Pas
Par la, donc à travers les dons, through the gifts, Dieu se manifeste. God manifests himself. Comment vous reconnaîtrez que Dieu, comment vous reconnaîtrez que Dieu est avec nous? How will you know that God is with us? Pourquoi vous dites que Dieu est dans notre église? Why do you say that God is in our church? C'est parce que vous voyez les dons se manifester. It is because you see the gifts being manifested. Écoutez-moi. Listen to si me. Si vous avez vu la sœur le vendredi et le samedi, if you vous have allez seen voir the sister on Friday on Saturday, you can believe. Comment elle marchait? And also the way she mon was. Mon cœur était dérangé. My heart was really disturbed. Mais dis-nous, je priais. But she said no. I prayed. Then I just said there's no mais problem. Mais elle continuait toujours. But she continued. L'onction que moi j'ai frère, but they will want you that l'onction I have, que moi j'ai sœur, c'est là qui surpasse ton onction. It surpasses my anointing. Why? À cause de la responsabilité because que Dieu of the responsibility that God has given to me. Si y a l'onction, you ça c'est sûr. That is sure. That is si y a l'onction, what the mais celle que moi j'ai, but what I have, cela est très grand. It is very à cause great de la responsabilité que Dieu m'a because donné. Because of the responsibility that God has given quand to me. Quand je l'ai vu hier, when I saw mon yesterday, my heart was troubled. Mon cœur était bouleversé. My heart was really move. Mais je ne voulais pas, je n'avais pas encore envie de lui parler. But I didn't want to have je to continue à prier. To so I quand le Saint-Esprit me parla, and when the Holy Spirit spoke to me, entendre maintenant la chanson. That you should right now sing on a the commencé song à chanter. We started singing. J'ai touché. I touched. Elle commence à marcher. I touched her knee and she started walking. Vous comprenez? Do you understand? Laisse-moi vous dire. Let me tell you, people of God. Laisse-moi vous dire. Let me tell you. Pourquoi on reconnaît que Dieu est avec nous à l'église? How do we come to know that c'est God is with us? C'est quand on voit ces choses. Is when we see such things. Ça c'est le don de miracle. This is the gift of miracle. Le don de guérison miracle. The gift of miracle. C'est le don d'opération de miracle. It is the gift of operation. Instantané. Instantly. Instantané. Instantly. La situation change. The situation change. Vous comprenez peuple de Dieu? Do you understand, people of God? À travers les dons, it is through the gifts that God manifests himself. Vous comprenez? Do you understand? À travers les dons de la prophétie, through the gifts of prophecy, on voit que Dieu est avec nous. We see that God is with us. À travers les dons de guérison, through the gifts of healing, vous comprenez que Dieu est avec nous. We see that God is with us. À travers les dons que vous voyez se manifester à l'église, through the gifts that we see being released in the vous church, vous savez que Dieu est avec nous. We know that God is with us in the church. Alléluia. Amen. C'est la richesse que Dieu a mis entre nos mains. These are riches that God has given to us. Mais on ne peut pas faire l'argent avec les dons but de Dieu. But we cannot earn money with the gifts of God. Alléluia. Amen. Les dons de Dieu n'est pas à vendre. The gifts of God are not to sell. Vous comprenez? Do you understand? Je ne peux pas chercher à faire de l'argent parce que j'ai les dons. I cannot try to go and make money because I have parce que les dons spirituels se manifestent dans ma vie. Because the spiritual gifts are being manifested in my life. Je ne peux pas faire de l'argent avec I ça. I cannot make money with it. Mais c'est Dieu qui va me bénir. But it is God who is going to bless me. Alléluia. Amen. Aujourd'hui je suis piéton. Today I'm a pedestrian. Je n'ai pas de véhicule. I don't have a car. Alléluia. Amen. Parce que mon voiture est détruite. Because my car is destroyed. Alléluia. Amen. Dans l'accident. In an accident. C'est avant que je fasse cet accident. But before I made that accident, le Seigneur lui-même. The Lord himself. Non pas je cherchais à raisonner par moi-même. No, I did not try to reason by myself. Mais le Seigneur me dit. But the Lord told me. Par une vision. Through a vision. Il me parla. He spoke to me. Et il me parla encore. And also spoke to me again. Je vais te donner le véhicule deluxe. That I'm going to give you a deluxe car. Vous comprenez peuple de Dieu? Do you understand people of God? Vous comprenez peuple de Dieu? Do you understand people of God? C'est pour cela que je l'attends. That is why I'm waiting for it. Si acheter un véhicule qui coûte ici, c'est combien je peux l'acheter? I can buy a car that's costing any kind of money. Mais moi, but by myself, de la part du maître. I'm waiting from the master's parce side. Parce que l'autre véhicule, because the other car qui était détruit par l'accident, that was destroyed in the accident, je l'ai acheté par la révélation. I bought it through a revelation. J'avais pas l'argent. I didn't have money. Quand j'ai eu la révélation, when I had the revelation, je suis entré dans la prière. Then I went to quand prayer. J'ai prié, when I prayed, j'ai prié, I prayed, j'ai reçu l'argent. Then I received the money, then I bought that car. Vous comprenez? Do you understand? Maintenant, je vais acheter. Now I'm going to also go to buy. J'ai déjà vu le véhicule. I've already sold the car. Ce que Dieu m'a dit. What God told me. C'est ce que j'ai vu. Is what I am seeing. Alors, j'ai cherché là où on voit cette véhicule. And now I'm looking for where I can find this car. And I also printed it out. Dans mon internet. I saw it in the internet. Je l'ai imprimé. I printed it out. Alors. Now, je l'ai mis dans mon shrank à la maison, sur l'armoire. I put it, I stuck it on my mirror, on the mirror of my wardrobe. Je vais là-bas. And every day when I'm there, I just touch it. I say thank you, thank you Lord, for this car. Merci. Thank you. Non pas un. Not one. Non pas deux. Not two. Mais trois. But three.
Parce que c'est Dieu qui m'a parlé. Because it is God who spoke to je me. Prie. So I pray. Les véhicules neufs. There are new cars. Je prie. I pray. Je dis merci. I say thank you. De me donner ces véhicules. For giving me this car. Oui. Yes. Parce que Dieu m'a parlé. Because God has spoken to me. Vous comprenez, peuple de Dieu. Do you understand, people of God? Mon cœur est tranquille. My heart is calm. Vous allez voir ça. And you will see. Quand vous allez voir ça. When you see that. Then you glorify the Lord. That is how I walk. Je ne cherche pas à avoir quelque chose que Dieu ne me révèle jamais. I don't try to have something that God has never revealed to me. Quand vous allez voir ça, vous allez dire, ah, notre pasteur aime le matériel. Non, je l'ai eu par la révélation. When you see c'est that, and people say, ah, our pastor loves material. No, it is God who gave me the revelation. Oui, c'est lui qui m'a donné ça. He's the one who gave it to me. Alléluia. Amen. Donc, je suis ce que lui me montre. And I am... I follow what he shows me. Alléluia. Amen. Pourquoi? Why? Je suis fidèle à son because service. I'm faithful to his service. Alléluia. Amen. Je ne prends pas l'argent. I don't take money. Je ne gagne rien. I don't earn je anything. Le sais. Je ne cherche pas à prendre l'argent de personne par force. I don't try to take money from même someone si by force. Même si tu me donnes l'argent en particulier, je l'amène à l'église et j'achète quelque chose. Even if you give me money in particular, I'll just take it and bring it to the church and buy something for the church. There's someone that doesn't pray in our church. Il est venu me voir. That person came to see il me. Il m'a donné de l'argent. That person gave me money. Elle m'a donné de l'argent. The person gave me money. J'ai prié pour cette personne. I prayed for this person. Pour son travail. For his work. Et avec cet argent. But with this money. Je vais acheter quelques instruments que j'ai besoin d'acheter. I'm going to buy some instruments that I need to buy. Tout l'argent que j'ai reçu en particulier. Every money that I receive je from the sale. I invest it in the church. Vous comprenez? Do you understand? J'ai investi dans le ministère. I invest it in tu the peux ministry. Me donner des mille. You can give tu me a thousand. You can give me millions. Je vais l'investir à l'église. I will invest it in the moi, church. My, je m'attends. I just wait by from God. And I know how it is. Marcher avec Dieu, il faut être intelligent, frère. For you to walk with God, you're supposed to be intelligent. Quand tu prends de l'argent, you take money, tu cherches seulement à prendre soin de toi-même. Tu just tues toi-même. You try to take care of yourself, you are killing yourself. Prends soin de l'église. Take care of the prends church. Prends soin de ceux qui sont à l'église. Take care of the ones who are in tu the church. Béni. And you will be blessed. Alléluia. Amen. Mon frère étudiant, soyez le bienvenu. My brother or the student, la fin du mois prochain. At the end of next month, vous êtes étudiant, vous serez béni. Students, you're going to be blessed. The church will start taking care of the students. Hallelujah. Amen. Do you understand, people of God? In the work of God, you're supposed to be intelligent. The spiritual gifts, they are not to be sold. Hallelujah. Amen. They are not to be sold. It is not because God manifests himself, so I should start waiting for money for you. I will continue serving God faithfully. En attendant toutes choses dans la prière. And by waiting for everything in prayers. Alléluia. Amen. Oui. Yes. Parce que vous pensez que je vais donner pasteur 1,000 euros. Ah, il va acheter le produit chez lui au magasin. Non, non. So you think you can give the pastor 1,000 euros, then you go and buy the products for the shop. L'église. The church. Moi, je regarde l'église. I always look at the church. Dieu me dit, prends soin de ma maison. God told me, take care of my house. Alléluia. Amen. Parce que because si j'ai investi ton argent dans le ministère, if I invest his money in his ministry, cet argent, this money, va commencer à parler pour toi devant Dieu. Will start talking about you before God. Cet argent, je peux acheter avec ça le micro. This money, I'm going to buy with it microphones. Vous comprenez? You understand? Chaque fois. Every time. Quand l'église va utiliser ces micros. When the church will start using these microphones. Cette personne. This person. Sera toujours souvenu par Dieu. Will be always remembered by God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Servir Dieu. Serve God. Servir Dieu. Serve God. Par les dons spirituels. Through the spiritual gifts. Écoutez-moi. Listen to me. C'est notre thème d'aujourd'hui. It is our today's topic. Je vais arrêter avec cette message. And today I'm going to stop with this message. Parce que le Saint-Esprit m'a dit encore de parler, mais je ne sais pas s'il va dire encore. Because the Holy Spirit told me to talk about it, but I don't know if he's going to tell me. Servir Dieu. Serve God. Par les dons spirituels. Through the spiritual gifts. Comment est-ce que toi tu sers le Seigneur dans l'église? How do you serve the Lord in the church? Comment est-ce que toi tu es en train de le servir? How are you serving him in the ministry? Tu ne peux pas servir Dieu comme ça. You cannot serve God just like that. Sais, but you serve him through the spiritual gifts. Je suis en train de le servir I'm serving par le don de l'enseignement.
through the gifts of teaching. À ce moment, c'est le temps de l'enseignement qui est en action. At this moment, it's the gift of teaching that is in action. Comprenez? Do you understand? Comment tu sers Dieu? How do you serve God? Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu sers Dieu? How are you serving God? Tout à l'heure, je vais commencer à prier pour les malades. And very soon, I'm going to start. Ce sera maintenant le don de miracles et de guérison qui sera en action. It will not be the gift of miracle that is and healing that pour répondre à vos besoins. So that you can answer to your needs. Et je vais, le Seigneur va m'utiliser tout à l'heure par le message prophétique. And also soon God will use me through the prophetic message. C'est le don de la prophétie qui sera en action. It is the gift of prophecy that will be in action. Servir Dieu. Serve God. Par les dons spirituels. Through the spiritual gifts. Par les dons spirituels. Through the spiritual par gifts. Par les dons de l'esprit. Through the gift of the spirit. Tu ne peux pas servir Dieu en dehors des dons spirituels. Outside the spiritual gifts. Alléluia. Amen. Au moins que le Seigneur t'appelle. It's either when the Lord calls you. Alléluia. Maman, lève-toi. Alléluia. Aujourd'hui, today c'est ton jour. Is your day. C'est ton jour. It is your day. C'est la visitation divine. It is the divine visitation. Alléluia. Today. Amen. Tu connais cette chanson? Do you know this song? La voix du Seigneur m'appelle. Quoi? Prends ta croix. Suis-moi, mais voici, Seigneur fidèle, je suis à toi jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus. It is the Lord who has called you. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas. And you don't know. Aujourd'hui c'est ton jour. Today is your day. Le Seigneur a des grandes choses à te dire. The Lord has great things vous to tell you. Édifié. You will be edified. C'est le Seigneur. It is the Lord. Le travail que tu faisais ici à l'église. The one that you do here in the church. It was not the will of man. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a donné cet travail. You don't know why God gave it to you. Je n'ai pas voulu te parler. I didn't want to talk to you. But the Holy Spirit te dit, is telling you. Ce n'est pas un homme. It is not a man that gave you this work. Il a quelque chose de grand et de merveilleux. He has something great and marvelous for you. Mais but il a commencé d'abord par là. That it first of all starts there. Parce que tu ne sais pas. Because you don't know ce que Dieu what God has prepared for you. Votre vie your life ne sera pas telle que vous le pensez. Will not be the way you think. Il y a des grandes choses que Dieu va faire. There are great things that God is going to do with you. Mais le Saint-Esprit me dit, but the Holy Spirit is telling me il va vous faire connaître that ta famille ce que vous avez besoin de connaître de sa part. That he's going to make you and your family to understand what you're supposed Dieu to understand from him, the glory of God that is going to accompany you. What God is going to do in your life. C'est pour cela le Seigneur te dit, that is what the Lord is telling you. Remember this song. La voix du Seigneur m'appelle. Ta croix, suis-moi. The voice of God has called me. Take the cross and follow me. It is not the will of man. It is the will of God. Amen. Amen. Don't worry what is going to be. But don't be troubled about anything. But the Lord knows. I'm going to tell you. I'm going first of all going to talk. Votre vie your life has to change. You see the great things that God is going to do. You see the great things. That's why the Lord has called you to serve him in this ministry. In this church, everyone is capable to do the service that God gave to you. But you unique to do it. Alléluia. Amen. You are unique to do it. That is why the Lord has given it to you. He knows why. Go and sit down. And I will talk to you later. And you'll be very alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, peuple de Dieu. Listen, people servir of God. Dieu. Serve God. Dans l'église. In the church. Il faut le servir. You have to serve him. À travers. Through. Les dons de l'esprit. The gifts of the tu spirit. Tu ne peux pas servir Dieu en dehors des dons spirituels. You cannot serve God outside the spiritual gifts. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Listen to me. Si tu sers Dieu à l'église. If you serve God in the church.
En dehors des dons spirituels. Outside the spiritual gifts. Tu vas commettre les dégâts. Damages. You make many damages. Yes. Tu comprends? Do you understand? Tu vas commettre beaucoup de dégâts. We make many damages. Why? Tu cherches à faire quelque chose dont tu es incapable de faire. Because you are trying to make something, to do something that you are incapable of. C'est pour ça que dans nos églises, il y a des troubles. That is why we cannot see that in our churches there are troubles and there are problems. Alléluia! Il y a des problèmes. There are problems. Pourquoi? Les gens servent l'église, servent Dieu dans l'église en dehors de leurs dons. The people serve God in the church outside their gifts. On donne aux gens le travail à l'église en dehors de leur fonctionnement dans le corps du Christ. They give people work in the church outside their functions in the body of Christ. Tu es devenu touche à tout. You touch everywhere. Tu touches ici, ça ne peut pas possible. It's not possible. Tu touches là-bas, c'est pas possible. It's not possible. Donc, partout où tu touches, tu fais que les dégâts. Everywhere where you touch, you just bring damages. Alléluia. Amen. Pourquoi? Why? Tu n'as pas. Because you cette don't. Habilité. You don't have this ability. De faire ce que tu es en train de faire. To do what you're doing. Alléluia. Amen. Tu comprends le peuple de Dieu? Just like c'est pour God, cela. That is why. Il faut être sûr. You have to be sure. De ton don spirituel. You have to be sure of your spiritual gift. De la capacité que Dieu a mise en toi. The capacity that God has kept in you. Alléluia. Amen. C'est comme aussi notre sœur Gloria. It's like our sister Gloria. Elle fait le service de protocole. She does the work of protocol. Mais c'est le Seigneur. But it is the Lord. Qui a dit qu'elle doit faire ce travail? That told her that she's supposed to do. Mais il y a un travail qu'elle ne fait pas encore, le travail de l'intercession. But there's one work that she's not doing, and that is the work of intercession. Elle doit faire ce travail. She has to do c'est that. C'est la qualification que Dieu a accordée. That is a qualification that God elle, has given elle va faire ce travail très bien. And she's going to do this job very well. Comment tu serves Dieu dans l'église, l'église locale? How do you serve God in the local church? Tu ne peux pas servir Dieu, frères et sœurs, si tu n'es pas sûr de ce que Dieu est en train de faire. You cannot serve God if you're not sure of what you're doing. C'est pour cela qu'il faut écouter. That is what you have to hear. La sœur Idioma, quand elle est venue à l'église. And she said Idioma when she came to the church. La femme de notre frère Dave. The wife of our brother Dave. C'est lui qui a mis la sœur qui a mis au monde. The sister was given birth. Elle me dit ceci. She told me this. Pasteur. Quand je viens dans une église. When I come into a church. Si je dois rester dans cette église. If I have to remain in that church. Écoutez peuple de Dieu. Listen people of God. Écoutez peuple de Dieu. Listen people of God. Je prie d'abord le Seigneur. I first of all pray to the Lord. Alors le Saint-Esprit l'a dit. And the Holy Spirit told me. C'est pour cela que je vous dis priez tous les jours. That is pour savoir si nous faisons vie en Jésus-Christ. Et le lieu que Dieu a choisi pour vous de la vie. That is why I'm telling you, you should be praying every day so you can live new life in Jesus Christ as the church where God has brought you to serve, to worship Him. Alléluia. Amen. Elle me dit, le Saint-Esprit me dit de demeurer dans cette église. And she told me that the Holy Spirit told her that she should remain in the church. Et parce que le Saint-Esprit m'a dit de demeurer à l'église. And because the Holy Spirit said I'm supposed to remain in the church, then pastor, je vais encore faire un travail. I also want to do a job. Alléluia. Amen. Elle parla premièrement ma femme. She first of all spoke to my wife. And my wife came and told me. Le Saint-Esprit. I prayed to the Holy Spirit. Le Saint-Esprit me dit oui. And the Holy Spirit told me yes. C'est ma volonté. It is my will. Alors voilà ce que tu dois lui dire de faire. And this is what you're going to tell her to alors, be doing. Comme elle était enceinte, and as she was elle pregnant, était incapable de faire le travail qu'elle devait exercer à l'église. She was incapable to do the work that she could exercise it in the church. Alors on a dit bon attendons jusqu'à ce que tu vas mettre au monde. But we told her that she should wait until when she's going to alors, give birth. Elle a mis au monde. And now she has given birth. Et quand elle sera forte ou elle sera prête, elle va commencer maintenant à exercer le travail que le Saint-Esprit l'a dit de faire. And when she's going to be strong, then she can start exercising the work that the Holy Spirit has given her to be doing in the church. Alléluia. Amen. L'Église sera bénie par son travail through et elle-même aussi, elle sera bénie par le Seigneur. Be blessed by the Lord. Alléluia. Amen. Vous comprenez le peuple de Dieu? Do you understand people of God? Vous comprenez le peuple de Dieu? Do you understand people of God? Servir Dieu par le don spirituel. Through the spiritual gifts. Je vais vous dire comme l'exemple de cette femme. La famille Amadi. L'exemple de la famille mettez-vous Amadi. Debout, s'il vous plaît. Mettez-vous debout. Please stand up. Alléluia. Amen. Quand cette famille, merci. Quand cette famille est venue à l'église. When this family came to church. Le Seigneur m'a dit. The Lord told je vous ai déjà dit. Que je leur donne l'onction. That I should give them the anointing. De demeurer à l'église. To remain in the church. Vous comprenez? Do you understand? Mais l'église ont compris c'est mal cela. But the church wrongly. Il y a des gens qui ont commencé à parler. Ah, ça
ça ce n'est pas normal. And there are people who tell the same thing. Comment vous êtes venu seulement à peine à l'église? You just come new. On vous donne, le pasteur vous donne la responsabilité. And the church and the pastor is giving a responsibility. Vous comprenez comment les gens influencent les autres? Do you understand how people influence others? Le frère était découragé. The brother was discouraged. Vous comprenez? Cette parole les a infectés. This word affected them. Alors ils ne venaient pas encore à l'église. Then they stopped coming to church. Pourquoi les gens commençaient à parler? Because people had started talking. Cette parole est parvenue à mes oreilles. And these words came to my ears. Mais je voulais partir. I wanted to le go. Mais le Saint-Esprit me dit, laisse-moi faire ce travail. C'est pour cela, s'il y a un problème, c'est pas ici, je ne parle pas, c'est que l'Esprit m'a interdit d'agir. That is what if there's a problem and the Holy Spirit does not allow me to say. Vous connaissez vous-même. Vous avez écouté les témoignages de la famille. You had the testimony of the family. Donc, le Seigneur m'a dit, laisse-moi m'occuper de cela. The Lord told me, let me occupy myself with this. Je les ai oignés dès qu'ils ont mis les pieds à l'église. Because I already anointed them when they set their feet in this church. Ils étaient maintenant sous le filet du Seigneur. They were under. They were already in the net of God. Alléluia. Amen. Vous comprenez? You understand? Le filet de Dieu les a capturés. The net of God had already captured them. Alléluia. Amen. Donc ils ont parti. And they went. Et le Seigneur les a ramenés de And nouveau. The Lord brought them back again. Alléluia. Amen. C'est pour cela quand la sœur est venue avec le problème de sa maladie. That is when the sister came with the problem of her sickness. Votre cas, hein, c'est le cas de Jonas. So your state is the state of Jonas. Alléluia. C'est pas ce que j'ai dit, ma sœur. That's what I told you. That was what he told me. Hallelujah. Amen. 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 J'ai dit votre cas c'est le cas de Jonas. I told them that their state is the same. Quand j'ai prié, when I prayed, la sœur était guérie de sa maladie. Pourquoi? Why? Parce que son cas était le cas de Jonas. Because her state was the state of Jonas. Listen to me. C'est pour cela que vous voyez. That is why you see. Ils sont dans un endroit. They are in a place où Dieu a choisi pour aider la durée. Where God has chosen them for C'est pour cela que le Seigneur changer leur vie. That is what the Lord has started to change their lives. Veuillez vous asseoir. Merci. Thank you. Amen. Amen. Vous comprenez le peuple de Dieu? You understand people of non, God? J'écoute Dieu pour agir. I first of all have to listen to God. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens pensent que Maybe je n'écoute pas le Seigneur pour agir. That I don't listen to the Lord before I react. J'écoute le Seigneur pour agir. I listen to the Lord before I react. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. The Lord is marvelous. Amen. 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 Servir Dieu. Serve God. Par les dons spirituels. Through the spiritual gifts. C'est Dieu qui nous appelle. It is God who has called us. À le servir. To serve him. Le Seigneur connaît. The Lord knows. Comment? How? Nous devons le servir. We are supposed to serve him. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? But what the Lord tell pour la famille Amadi? For the family Amadi? L'onction de demeurer à l'église. Of remaining in the church. Ils vont me joindre dans le ministère de parler de la part de Dieu. That they will join me in the ministry of talking the word of preaching the word of God. Alléluia. Amen. Le ministère de la parole. The ministry Mais of le the Seigneur word. Dit, But the Lord told me. Ils vont s'asseoir. But first of all, they have to sit écouter. Down so that they can listen. Alléluia. Amen. Vous comprenez peuple de Dieu? C'est pour cela. That is why. Ils vont s'asseoir. They have to sit down. Il faut te mettre maintenant à parler. And if you should start talking right now, la grâce you have the grace de gagner les membres. Of winning some members. Comprends? Do you understand? Dieu va commencer à te bénir. God will start blessing you si if tu mets à utiliser cette capacité. If you start using this capacity, c'est la volonté de Dieu. It is God's will. Tu as la grâce comme un évangéliste. You have a grace like an evangelist. Parler. To go Parce and que talk because, je le vois. Because I can see. Le Seigneur me montre. The Lord showed me. Qu'il y a cette grâce. That you have this grace. Et parler. Quand tu parles, les gens vont venir à Dieu. When you talk to people, then people come to God. Oui. Il faut utiliser ça. You have to use it. Tu vas voir Dieu va te bénir beaucoup à travers de cela. And you said God is going to bless La Bible dit, le Saint-Esprit dit ceci. Il y a la fête au ciel. That there is a feast in heaven. Quand un âme when a soul est revenu à Dieu. Has come to the Lord. Si tu commences à réjouir le cœur de Dieu. If you start making the heart of le God Seigneur rejoice, aussi the Lord va commencer à te réjouir le cœur. Il y a cette habileté. Il y a cette capacité de gagner les gens. To win donc people, de parler aux gens. To go and talk et to le Saint-Esprit va faire pour que ces gens viennent au Seigneur. C'est la grâce que Dieu t'accorde. It is the grace that God has ne given ferme you. Pas encore la bouche. Don't close tu verras comment Dieu va faire. Réjouis le cœur de Dieu. Dieu va te faire à son tour.
Dieu va faire que, à ton tour, que tu sois aussi réjoui dans ton cœur. And in his time, God will make your heart rejoice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, le Seigneur est merveilleux. The Lord is marvelous. La Bible dit dans le livre de Romains. The Bible says in the book of Romans. Dans le livre de Romains. The book of Romans. Le chapitre 12. From in chapter 12. Écoutez là ce que la Bible dit ici. Listen to what the Bible says here. Écoutez ce que la Bible dit. Listen to what the Bible says here. Au verset 3 en descendant jusqu'au verset 8. From verse 3 to verse 8. Alléluia. Amen. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourselves more highly than you ought, but rather think of yourselves with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you. Just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we who are many form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. Amen. Amen. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne les fasses avec libéralité, que celui qui préside les fasses avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde les fasses avec joie. Amen. Amen. Ok, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12. We're going to read 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Parce que nous sommes en train de parler sur les dons spirituels. Because we're talking about the spiritual gifts. Alléluia. Amen. Nous lisons à partir de verset 3. We're going to read us from verse 3. C'est pourquoi je vous le dis, je vous le déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Therefore, I tell you that no one is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed. And no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité commune. There are different kinds of gifts by the same Spirit. There are different kinds of service by the same Lord. There are different kinds of working, but the same God works all of them in all men. Now to each one the manifestation of the gift of the Spirit is given for the common good. Or, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il veut. To one there is given through the Spirit the message of wisdom, to another the message of knowledge by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit,
and he gives them to each one just as he determines. Alléluia. Amen. Que nous dit la Bible dans le livre de 1 Corinthiens 12 dans le dernier verset, le verset 11 dans les lignes. What does the Bible tell us in the book of 1 Corinthians chapter 12 verse 11? Alléluia. Il est écrit un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. They say all these are the work of the one and the same Spirit, and he gives them to each one just as he determines. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je vous ai dit la fois dernière? What did I tell you last time? Qui a donné aux serviteurs les talents? Who gave the talents to the servants? Et qui a donné au serviteur, à l'autre 5, à l'autre 2, et au dernier un seul talent? And who gave to the servants the first one the 5 talents, the second one the 2 talents, and the last one the 1 talent? Cela n'était pas le choix. It was not the choice des serviteurs. Of the servants. Alléluia. Amen. Cela ne dépendait pas des serviteurs. It did not depend on the servants. Mais cela dépendait de maître lui-même. But it depended on the master. Cela dépendait de Jésus lui-même. It depended on Jesus himself. Parce que la Bible dit ceci. Because the Bible tells les jours de la Pentecôte. That on the day of Pentecôte. Si nous lisons le livre de Actes apôtre chapitre 2. If you read the book of Acts of Apostles, nous allons voir. We see. La Bible dit ceci. And the Bible says this. La Bible dit. The Bible says. Quand les gens étaient étonnés. And when the people were surprised. Quand les gens ont commencé à parler de nouveau là. When the people started speaking in new language. L'apôtre Pierre et les autres disent ceci. The apostle Peter and the other apostles say. Écoutez-moi. Listen to me. C'est Jésus. That it is Jesus. Qui est élevé. Who is raised. À la gloire. In the glory. Il est assis. And he sits. À la droite du Père. On the right hand side. Alléluia. Amen. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. It is the one who received the Holy Spirit. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. The one who received the Holy Spirit. Et c'est lui qui l'a répandu tel que vous voyez. And the one who. C'est lui qui l'a répandu. And the one who also poured. Comme vous voyez. The way we see. C'est-à-dire. That means. C'est Jésus qui a reçu du Père le Saint-Esprit. It is Jesus that received it. Et qui a répandu cela à l'Église. And also poured it on the church. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Listen to me. Jésus quand il était sur la terre. When Jesus was in Jésus the earth. Jésus ne parlait pas de lui-même. Jesus does speak from comprenez himself. Comprenez mon peuple de Dieu. Listen, I understand c'est pour cela un homme de Dieu. That is why man of God. Doit toujours glorifier le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Has to always be glorifying the Father, the Son, and the Holy tout Spirit. Tout ce que je peux voir Dieu opérer entre mes mains. All that I can see God making to happen through my hands. My brother, please, ne dormez pas s'il vous plaît. Soyez concentré. Hallelujah. Amen. Vous comprenez? Tout ce que le Seigneur peut opérer à travers mes mains. Everything God can operate through cela my hands. Cela n'est pas mon œuvre. It is not my work. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. It is the work of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Quand Jésus s'est trouvé sur la terre, when Jesus was found in the earth, retiens cette chose. And keep these things. Jésus ne parlait pas de lui-même. Jesus does not speak of himself. Jésus disait toujours. Jesus always said. Je ne cherche pas à faire ma volonté. That I don't try to do my will, mais la volonté de celui but the will of the one who has sent me. Le Père qui m'a envoyé. The Father that has sent c'est me. C'est lui qui m'a dit de faire ce que je fais. He's the one who has told me to do lisez what I do. Lisez la Bible. Read the Bible. Surtout dans les livres des Jean. Especially in the book of John. Vous allez voir que Jésus parlait du Père, du Père, du Père. You see, Jesus is talking from the Father, from the Father, from the Father. Parce qu'il était envoyé du Père. Because he was sent by the Father. Avant que lui, il quitte la terre. And before he left. Il nous dit très bien. Écoutez-moi, listen to me, dans le livre de Jean, le chapitre 16, John chapter 16, il précise. He precise. Quand je vais retourner au ciel. That when I will go to heaven. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. L'esprit de la vérité. The Spirit of truth. Quand lui viendra. When he comes. Il va parler de ma part. He will speak from my side. Il va me glorifier. He will glorify me. Alléluia. Amen. C'est pour cela. That is why. Quand nous parlons. When we speak. Vous comprenez? Nous quand nous parlons, when we speak, nous parlons pour glorifier le Dieu Trinitaire. We speak so we can glorify the God in Trinity. Vous remarquez? That is why quand le Saint-Esprit parle, when the Holy Spirit il ne speaks, parle pas de lui-même. He doesn't speak from himself. Mais le Saint-Esprit parle de la part de Christ. But the Holy Spirit speaks from Christ. Parce que Jésus dit dans le livre de Jean 16. Because Jesus said in the book of quand John, le Saint-Esprit, that when the Holy Spirit, de la vérité, the Spirit of truth, viendra, will come, il me glorifiera. He will glorify me. Alléluia. Amen. Un serviteur de Dieu ne peut pas commencer à frapper la poitrine. Don't start beating him on the chest. Listen vous allez voir la richesse de Dieu dans cette ministère. You see the riches of God in this ministry. I'm telling you the truth. Écoutez-moi. Listen to me. Ministère, this ministry. Ça sera parmi les plus grands ministères dans cette nation. Will be amongst the big churches in this nation. Par lui, je vous dis la vérité. I'm saying amongst. Je l'ai vu frère. I've seen it. Je l'ai vu de mes yeux.
J'ai vu la taille de cette ministère dans la vision. I see the stage of this church in a vision. God showed me my brother. Sister Ojiwa brought a daughter into this world. Why? Because she was pregnant. Moi, je suis enceinte. Me too, I'm pregnant. De nouvelle vie en Jésus-Christ. Of new life in Jesus Christ. For his sake, for his greatness. I'm telling you, listen to me. C'est la scène que je vois. That is what I'm seeing. Moïse a vu auprès du Père. Moses saw from the Father. La vision, il a vu le tabernacle. He saw the tabernacle. Et la Bible dit. And the Bible says. Quand il construisait le tabernacle. When he constructed the tabernacle. Dieu le dit. God told him. Prêtez attention. Pay attention. Fais attention. Pay attention. Que tu construis. So that you can construct. Écoutez-moi. Listen. D'après le modèle. According to the structure. Qui t'est monté dans la montagne. I showed you in the mountain. Alléluia. Amen. Si vous lisez même Hébreux chapitre 8, vous allez voir. If you read even Hebrews chapter 8, you'll see. Quand Moïse a commencé de construire le tabernacle. When Moses said to construct the tabernacle. Dieu le met en garde. God made him, warned him. Vous comprenez? Do you understand? Fais d'après le modèle qui t'est montré dans la montagne. Build according to the structure that I showed you at the mountain. Je parle ce que j'ai foi. I speak on what I've seen. Je vois la grandeur de votre vie. I can see the moi, greatness of your life. J'ai déjà vu la grandeur de I've votre vie. I've already seen the greatness of your life. Écoutez-moi. Listen to me. Vous ne voyez pas votre vie demain, mais moi je l'ai déjà vu. No, you don't see your life of tomorrow, but I've already seen it. That is why when I see you, joie. I am in joy. Vous comprenez? You understand? Vous luttez. You battle. Pour frayer un chemin. So that you can make a path. Non. Bozo lukabo salanzela moko. You are trying to make a way. Par la force humaine. Through the human strength. Moi, j'ai déjà vu votre destinée. But I've already seen. J'ai déjà vu votre grandeur. I've already seen your greatness. You will be great tomorrow. Vous serez grand demain. You will be great tomorrow. Vous serez grand demain. You will be great tomorrow. David ne connaissait pas ce qu'il était. David never knew what you mean. Mais quand le prophète Samuel est venu. Prophet Samuel came. David a vu ce qu'il était. David saw what you mean. Il était un jeune homme dans la bouche. He was a young man who was in the bush. Père les brebis de son père. And he was taking care of the sheep of his father. Jesse. Vous comprenez? Do you understand? Mais quand Samuel est venu. But when Samuel il est venu avec lui. He came with oil. C'est toi, jeune homme. And he said, it is you, c'est young toi. Man. It is you. Aujourd'hui. Today. Je vais te faire voir. I'm going to make you to be the king. Oh, le futur roi d'Israël. The future king of Israel. Ton trône. Your throne. Sera affermi pour toujours. Will be established for every day. Oh, ton trône. Your throne. Sera affermi pour toujours. Will be established. Alléluia. Amen. Vous avez besoin d'un prophète. You need a prophet. C'est pour cela que Dieu vous a conduit dans un ministère. That is why let God lead you to a prophetic ministry. Pour connaître so that you can know your destiny. Pour connaître qui so vous êtes. So that you can know who you are. Alléluia. Amen. Vous luttez comme moi aussi, j'ai lutté. You also battle the way I also fought. Quand je suis venu en Allemagne. When I came to Germany. Alléluia. Amen. Je disais, je n'ai pas besoin de rester en Europe. I said, I don't want to stay in Europe for a long time. Je n'ai pas besoin de rester longtemps. I don't want to stay a long time. Avec deux mini bus, with only 2 minibuses, and 4 cars, avec des équipements, and with the je rentre au Congo. I go back to Congo. 24 ans après. 24 years later. 24 ans après. 24 years later. Listen to me, people. 24 ans après. 24 years later. 24 ans après. 24 years later. J'achète le véhicule. I bought the car. Mais je suis toujours en Allemagne. But I'm still in Germany. J'achète le véhicule. I bought the car. Je suis toujours en Allemagne. But I'm still in Germany. 24 ans après. 24 years later. Mais j'ai voulu retourner au Congo après. Je ne connais pas encore le Congo après 24 ans. I don't know Congo after 24 years. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Why? Dieu m'a capturé. Because God captured me. Alléluia. Amen. Ne perds de rien. Don't be afraid. Je suis le prophète. I am the prophet. Que Dieu a envoyé. That God has sent. Pour te faire connaître. To make you to know. Le mystère de ta vie. The mystery of your life. Pour que tu puisses entrer. So that you can enter. Dans ta destinée. Into your destiny. Je porte avec moi. I'm carrying with me. L'huile. The oil. L'huile. The oil. Pour te poindre. So that I can anoint you. So that I can anoint you. Pour entrer. So that I can enter. Dans mon succès. Into your success. Je suis le prophète. I'm the prophet. Comme Samuel. Just as Samuel. Comme Samuel. Just like Samuel. David. He presented himself before David. C'est toi le nouveau roi d'Israël. That you are the new king of Israel. Moi, si je suis venu. I too, I come. C'est toi le nouveau millionnaire. And you are the one, the new millionnaire. C'est toi le nouveau millionnaire. You are the new millionnaire. C'est toi le nouveau you are the new rich man. Alléluia. Amen. Is you the one, the new millionaire in this area? Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est toi le nouveau millionnaire dans cette région? Are you the new millionaire of this region? Est-ce que c'est toi? Is it you? Est-ce que c'est toi? Is it you? Il faut croire. You have to believe. Dis amen. Say amen. Dis amen. Say amen. Dis amen. Say amen. La gloire de Dieu est sur toi. And the glory
voilà pourquoi je suis appelé. Écoutez-moi. Listen to me. Si vous rencontrez un prophète de Dieu, if you meet with a prophet of God, il va te faire connaître le mystère. He will make you to know the mystery. Alléluia. Amen. Il va te faire connaître le mystère. He will make you to know the mystery. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fois dernière. Last time. Papa, la fois dernière. Last time. Quand le Seigneur m'a envoyé, m'a dit de parler sur cette garçon. When the Lord told me to speak about this boy. De prier pour lui. To pray for him. Écoutez ce que je vous dis de la part du Seigneur. Listen to what I'm telling you from the Lord. Pourquoi vous avez donner ce garçon le nom de Nathan? Why did you give this boy the name Nathan? Qui a pensé de donner ce garçon le nom Who de Nathan? Who thought of giving this boy the name Nathan? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous a inspiré? What inspired you? Vous ne connaissez pas. You don't know. Cet garçon. This boy. Cet garçon. This boy. Il est choisi de Dieu. He's a chosen one. Il est choisi de Dieu. He's a chosen one. Protège sa vie. Protect his life. Par une forte prière. Through a strong prayer. Protect him. Cet garçon. This boy. Va commencer à surprendre les gens. Will start surprising people. C'est un garçon. This boy. Il a la grâce prophétique. He has a prophetic grace. Alléluia. Amen. Il a la grâce prophétique. He has a prophetic Il grace. Il s'appelle Nathan. He's called Nathan. Nathan était le prophète. And Nathan was C'est a lui prophet. Qui était auprès du roi David. He was the one who was next le Saint-Esprit me dit. The Holy Spirit Ce garçon. This boy. Écoutez. Listen. Vous allez remarquer. You will notice. Quand il va commencer à parler. When he start talking. Il va commencer à vous dire les choses. He'll start telling Vous-même you things. Vous allez être dans l'étonnement. Things that will surprise Dès son bas âge, prêtez attention. From his small Quand il va commencer à parler, when he start talking, vous allez commencer à voir. Il va commencer à dire les choses. And he start saying things. Papa, prends la clé. Take the key. Tu diras. And you say, J'ai la clé. I have the key. Mais quand tu vas partir, But when you're going to go, tu vas remarquer que tu as oublié la clé. You'll see that you've forgotten the key. Il va commencer à dire les choses. Avant que la chose arrive, ce garçon va le dire. This boy will say Il a l'onction prophétique. He has the prophetic Il a l'onction de prophétique. He has the Je ne sais pas. I don't know. Je ne sais pas. I don't know. Pourquoi vous l'avez donné le nom de Nathan? Why you gave Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui vous a inspiré ce nom. Who inspired you to give this Il a la grâce prophétique. He has the prophetic Il va commencer à prophétiser. Croyez à cela. Believe et soutenez cet garçon. And also support this boy. Alléluia. Amen. Il y a la grâce de Dieu dans la vie de cet There's garçon. A grace of God in the life of this boy. Alléluia. Amen. Soutenez-le. Support him. Dans la prière. In prayer. Il a la grâce prophétique. He has a prophetic grace. Alléluia. Amen. Soutenez-le. Support him. Parce que le diable. Because the devil. Dès la ventre. Dès le ventre de maman, le diable a vu l'étoile des garçons. Since the womb of the mother, the devil already saw. Le diable a vu l'étoile des garçons. The devil already seen the star. Il y a aujourd'hui les gens ont des problèmes à cause de l'étoile qu'ils portent. There are some people who have problems today because of the stars they carry. Alléluia. Amen. Donc, cet garçon, il faut le soutenir dans la prière. You have to support this boy in Son étoile est très grande. His star is very great. Parce que les gens seront dans l'étonnement. Et les gens deviendront jaloux à cause de ce qui va commencer à sauter dans la vie Because de people are going to be surprised and they'll become Il va commencer à parler. Saying, Et ce qui va commencer à dire, les gens vont commencer à peur de venir dans votre maison. And what is going to say? People will start calling you so that they can come to your house. Ils auront peur. They will be afraid. Pour venir. To come. Pourquoi? Why? À cause. Because. Alléluia. À cause de ce que ce garçon va commencer à dire. Because of what this boy will start saying. Alléluia. Amen. Est-ce que papa tu comprends? Have you understood? Retiens ces choses. Keep these things. C'est la volonté de Dieu. It's the will of God. Le Seigneur vous fait connaître. The Lord is making you to know. Sa volonté selon la pour la vie de ce garçon. His life in the life of this boy. His will in the life of this boy. David ne savait rien. David knew nothing. Jusqu'à ce que Until when Samuel came. Listen to me. Papa Samuel et maman Marie. Narcisse a la grâce de miséricorde. Narcisse has the grace of mercy. La grâce de miséricorde. The grace of mercy. C'est-à-dire. That means. Elle a une grande cœur. She has a big heart. Vous allez voir ça dans sa vie. You will see that in her life. Quand quelqu'un souffre. When someone suffers. Cette fille va prendre la douleur de cette personne. This daughter will take the pain of this person. Ça deviendra comme la sienne. It will become. Je vois la le cola yaïe. It will become like her own. Il a la compassion dans son cœur. She has compassion in her heart. Il a la compassion. She has compassion. Il a cette compassion en elle. She has this compassion in her. La miséricorde. Of mercy. C'est la grâce qui est dans la It is the grace that she has in this daughter. Pray for her. Pray for her.
her life. C'est la grâce de Dieu qui est dans la vie. It is the grace of life, the grace of God that is in the life of Narcisse. Donc, le Seigneur vous fait connaître ces choses pour que vous souteniez. Vous soutenez cet enfant dès son bas âge. The Lord is making you to know these things so that you can start helping her in, when she's still in her base ages. Alléluia. Amen. Je le vois. I see it. Comment elle a une grande cœur. How she has a big heart. Elle a une grande cœur. She has a big heart. Elle ne peut pas supporter. Vous allez voir ça. Elle ne va pas commencer à supporter. Avoir une personne pleure ou souffre. She cannot support when she sees someone crying or suffering. À un autre. And another. L'esprit. The spirit. Les dons. The gift. Les dons. The gift. La miséricorde. Les dons de miséricorde. The spirit has given her the spirit of mercy. Ou le ministère de miséricorde. The ministry of mercy. Écoutez-moi. Listen to me. Si quelqu'un a cette grâce. If someone has this grace. Cette personne sera grandement bénie par Dieu. This person will be greatly blessed by God. Parce que ce qui manque aujourd'hui à l'église. Because what we lack in the church. La miséricorde aux gens. It is the compassion and also having mercy to people. Vous voyez, les gens à l'église aujourd'hui n'ont pas cette miséricorde. You said today people in the church they don't have mercy. They don't have compassion. Quand quelqu'un souffre, when someone is suffering, the others rejoice in their heart. Quand quelqu'un a cette grâce, but if someone has this grace, this person is blessed. Vous êtes béni par cette fille. You are blessed with this daughter. Vous êtes béni par I'm cette telling you that you are blessed with this daughter. She has a big heart. Hallelujah. Amen. Elle a she has a big heart. Hallelujah. Amen. Donc vous avez besoin d'un prophète. You need a prophet. Quand Saul, when Saul, il a perdu. When Saul lost, il a perdu ses affaires. When he lost his business, il a perdu les brebis de son père. He lost the sheep of his. Il les cherchait. He was looking. Il ne les trouvait pas. And he never found. Mais quand il a rencontré le prophète Samuel, but when he met Prophet Samuel, parce que Dieu parlait au prophète Samuel, because God spoke to Prophet pour Samuel, aller à son rencontre, so that he can go and meet him. Alléluia. Amen. Il ne savait pas. He never knew. La grâce de Dieu était descendue sur lui. That the grace of God had descended. Il était choisi comme roi d'Israël. And he was chosen as a king of Israel. Et le prophète Samuel lui dit. And the prophet Samuel told him. Tu vas maintenant trouver. But now you're going to find the sheep that you have lost. Alléluia. Amen. Vous avez besoin d'un prophète. You need a prophet. Quand le prophète apparaît dans votre vie, when the prophet appears in your life, your life will change. Aujourd'hui, moi, je suis dans le business. Today I'm in business. Je ne savais pas. I didn't. Comment je fais le business? In my life in Congo, I was doing business. J'ai grandi dans le business. J'ai commencé le business. J'avais encore moins de 10 ans. I started business, I was still dans le business au Congo. And I grew up in business in Congo. Je ne savais pas. I never knew. Jusqu'au jour où mon père, le prophète, est venu chez nous. Until when my father, the prophet, came to our house. Et il parla à ma femme. And he spoke to my wife. Il dit ton mari. And il dit ton mari. He said your husband. Moi, je n'étais pas là. I was not there. C'est pour cela que je peux te donner un message. Tu n'es pas là, mais je parle pour ton enfant, je parle pour ta famille, parce que c'est la grâce prophétique. You cannot be there. I give a message. You're not there. I give it concerning your daughter, concerning your son. It is because it is the prophetic message. Il me dit, and he said, Dieu appelle ton mari. God has called your husband à devenir un businessman. To become a businessman. Il aura des affaires. You'll have businesses. C'est pour cela que j'ai commencé les affaires. That is why I started business. C'est par un message prophétique. It is through a prophetic message. Donc je ne suis pas seulement le mouvement d'une personne. Non. I'm not behind a movement of a person. Alléluia. Amen. Vous avez besoin d'un prophète. You need a prophet. C'est pour cela que vous êtes dans le ministère. That is why you are in the ministry. Ok, allons maintenant dans le message. Let us now go to the message. La Bible dit ceci. The Bible says this. Dans le livre des Romains. In the book of Romans. C'est l'esprit de Dieu. That it is the spirit of God. C'est l'esprit de Dieu. It is the spirit of qui God. Qui nous montre, comme nous montre 1 Corinthiens. Le chapitre 12. The way the Bible shows us the book of Corinthians chapter 2. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. The Lord is marvelous. Alléluia. La Bible dit ceci. The Bible says this. C'est Dieu qui a donné à chacun de nous. Who has given to each and every one of us. Une mesure de foi. A measure of faith. Alléluia. Amen. C'est Dieu. Qui nous a donné une mesure de foi. Who has given us a measure of faith. Pourquoi Dieu nous a donné une mesure de foi. Why has God given us a measure of faith. Pour l'exercice des dons. So that we can exercise. Parce que tous les dons sont exercés aussi par la foi. Because every gift is exercised by faith. Vous comprenez. Do you understand. Je peux avoir peur à moi pour ne pas donner le message. I can be afraid to give you the message.
je peux avoir la peur. I can be afraid. Mais parce que j'exerce cet don. But because I'm exercising this gift. Par la foi. By faith. Je peux le donner. I give it. Vous comprenez? Do you understand? Parce que je crois. Because I believe. La foi c'est quoi? What is faith? La foi. The faith. C'est la grâce de Dieu. The grace of God. C'est Dieu qui nous a donné la foi. C'est Dieu qui nous a dit. Nous a communiqué la foi. It is God has communicated to us. Tu ne peux pas dire tu n'as pas la foi. You cannot say that you don't have. Tu as la mesure de la foi. You have the measure of faith in you. La Bible dit la mesure. The Bible says the measure. Tu peux avoir, je donne un exemple. I'm giving an example. Tu peux avoir un litre de mesure de la foi. You can have a 1 liter of. L'autre a 5 litres. And the other one has 5 litres. L'autre a 20 litres. And the other one has 20 litres. L'autre a 100 litres. And the other one has 100 litres. Mais chacun de nous a une certaine mesure. But each and every one of us has a certain measure. C'est l'œuvre de Dieu. It is the work of God. Il ne faut pas dire que non, moi je n'ai pas la foi. Non. That is why you should not say I don't have faith. C'est pour cela même Jésus quand il parlait à ses apôtres. That is why when also Jesus spoke to his apostles. Gens de peu de foi. That. But you have faith, okay. And people, you people of little faith. Quand ils ne pouvaient pas chasser les démons qui tourmentaient le garçon. When they could not chase out the demons that were tormenting the boy. Jésus n'avait pas dit ah vous n'avez pas la foi. Non. Jesus never said ah you don't have faith. Mais il dit quoi? But what Jean did he say? De paix, de foi. He said you people of little faith. Pourquoi? Why? Parce que because Dieu nous a donné tous. God has given us. À nous qui croyons en Jésus, il nous sert de mesure de foi. A certain measure of faith. Alléluia. Amen. Mais c'est à nous même. Écoutez-moi, j'ai écouté même les serviteurs, beaucoup des hommes de Dieu. I listened to many servants of God. Seigneur, augmente ma foi. Oh Lord, augmente. Let my faith to grow. Increase, thank you. Increase. Increase my faith. Accrois ma foi. Increase my faith. Non, Dieu ne peut pas grandir ta foi. God cannot increase my faith. Listen to me very well. Les apôtres ont demandé ça à Jésus. The apostles asked Jesus, God, augmente nous alors la foi. Increase our faith. Non, le Seigneur n'augmente pas la foi. God doesn't increase. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? But what does the Lord si vous lisez Romains 17, if you read Romans la Bible dit, the Bible says, Dieu fortifie. Non, Romains chapitre 4, il n'y a pas le chapitre 17 à Romains, mais le chapitre 4. Si vous lisez à partir de verset 17, when you read from verse que 18, Dieu fortifia en descendant jusqu'à bas. When you descend and the la Bible dit, Dieu fortifia la foi d'Abraham. He said, God fortified the faith of Abraham. Alléluia. Amen. Dieu, c'est lui qui est l'auteur de la foi. God is the one. Who is the author of comme the la Bible nous dit, c'est lui qui est l'auteur de la foi, c'est lui qui nous a communiqué la foi, mais il ne grandisse pas la foi d'une personne, but cannot increase the faith mais of il peut fortifier ta foi, c'est-à-dire encourager ta foi, by encouraging your faith. Encourager ta by foi, encouraging your faith. Alléluia. Amen. Quand j'ai déménagé, when I moved out, alors j'ai commandé les produits presque de 80 000 euros. I went and I ordered things that were costing almost 80 000 euros. J'avais cette foi en moi. I had that faith in me. Maintenant les produits, les meubles devaient venir à la maison. As the furniture were to come at home. Je me retrouve sans argent. And I didn't have anything. Ma femme dit tu as cherché les problèmes. And my wife said you have looked for problems. Ma femme commence à parler comme une folle. My wife started talking like a crazy person. Moi la foi brûlait dans mon cœur. And in me the faith was really burning. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ne pense pas parce que vous n'avez rien, votre vie doit rester comme ça. Don't non. Think because you have nothing, your life will be like that. Foi. You have to exercise your faith. Ma femme a commencé à parler comme my wife soeur. Started talking like a crazy person. Elle écoute le Saint-Esprit. And she heard the Holy Spirit telling her. La foi sans les œuvres. That faith without acts. C'est une foi morte. Is dead. Ton mari. Your husband. Exerce la foi. Is exercising faith. Alors ma femme a eu la paix. Then my wife was parce que had peace. Elle a commencé à me déranger. Because she was disturbing me. À cause de sa peur. Because of her quand fear, elle a écouté ça, when she heard that, elle a commencé maintenant à me soutenir. Tiens-toi alors dans la prière. Then she also started, hey, moi aussi, je suis devenu chaud. Je suis parti dans la forêt. I went to the forest. J'ai commencé à prier. I started praying. Tu dois agir. So you have to react. Alléluia. Amen. Et Dieu a agi. And God really écoutez-moi. Listen to les me. Marchandises de 80 000 est entré dans ma maison. And the furniture of 20,000 euros came into my house. Alléluia. Amen. 80 000. I'm saying 80,000 euros. C'est pour cela quand vous venez dans ma maison. When you come into my house. Les matériels qui sont là coûtent beaucoup d'argent. The materials that are there. Pourquoi écoutez-moi? Pourquoi? Why? J'ai dit à Dieu une chose. Because I told God something. Fais cette maison ton ambassade. Make this house to become your embassy. C'est pour cela. That is why Dieu a fait. God did it. C'est pour cela les gens peuvent parler moi je suis calme parce que people can talk but I'm calm.
down because I know. C'est la grâce de Dieu. It is the grace of parce God. Que je pleurais. Because I cried. Devant la face de Dieu pour avoir ce matériel. The grace of before the presence of God for this material. Tu as la foi. You have faith. But you have to exercise that faith. Dieu n'augmente pas la foi d'une personne. God cannot increase the faith mais of a person. Mais you only fortify mais the la faith. Foi, ta foi est augmentée par la parole but de Dieu. But your faith is increased by the par la foi, par la parole de Dieu. But your faith is increased by the word of God. Romans chapter 10 says this. From verse 10. La foi vient de ce qu'on attend. That faith comes et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. And comes from the word la of God. La manière dont tu considères la parole de Dieu. The manner you should consider la the word of God. La manière dont toi tu crois la parole de the Dieu. The manner you should believe in the la word of God. La manière dont tu te laisses conduire de la parole the de Dieu. The manner you should let yourself c'est cette manière que tu vas voir la main de Dieu. In that manner is the way you're going to receive la parole de Dieu. Alléluia. Pour cela, quand j'ai dit that is why when I say things, maybe you are surprised. Vous vous étonnez. Maybe you are surprised. Mais moi, je ne m'étonne pas. But I'm not surprised. Écoutez-moi. Listen to quand me. Quand tu as passé une certaine standard when dans ta vie, gone through a certain standard in your life, de la foi, of faith, alors tu verras la gloire de Dieu. See the c'est pour cela que Dieu me montre les choses. That is why God is showing me si je vous dis if choses, I tell you these things, vous ne devez pas croire. You not mais pourquoi? Moi, je crois parce que j'ai déjà passé à une certaine stade de la vie de la foi. I believe because I've already passed a certain stage of faith. Alléluia. Amen. Vous comprenez, peuple you de Dieu? La foi. Faith. Dieu nous a départis tous une certaine mesure de foi. God has given each and every one of us mais a certain measure of faith. Dit, but the Bible says. Donc, nous ne pouvons pas voir une parce que j'ai une certaine mesure de la grâce de Dieu dans ma vie. Because I have a certain measure of faith in my life. Je me considère comme si je vous surpasse tous. That I should consider myself as if I surpass all of you. No. No. C'est la grâce de Dieu. It is the grace of God. Parce que si nous devenons orgueilleux, because if we become proud, Dieu va nous diminuer. God will humble us. Mais si nous sommes humbles, but if you are humble, Dieu va commencer à nous élever grand. God will start lifting us up. Alléluia. Amen. Soyez humbles. Be humble. Ça c'est le commencement. That is the beginning. Nouvelle vie en Jésus. New life in ça, Jesus. Ça c'est le commencement. This is the beginning. Il y a des hommes et femmes puissants dans cette ministère. There are powerful men and women in this ministry. Même quand Dieu vous allez, Dieu va commencer à manifester cette puissance à vous. Soyez humble. Even when God starts manifesting this power in you, become humble. Soyez be humble. Soyez be humble. Quand vous aurez les millions. When you have millions, be humble. Même quand les autres parlent, oh, even when other people talk, ah, look at this sister. Oh, regardez cette femme. Look at this brother. Soyez be humble. Dieu là quand tu n'es pas là. You are there, but it's as if you're not there. Alléluia. Amen. Dieu là quand tu n'es pas là. You are there, but it's as if you're not there. Alléluia. Amen. Be humble. Même quand Dieu va commencer à vous bénir. Even when God starts blessing avec you. Avec des véhicules neufs. With new cars. Qui coûtent trop cher. That cost a lot of money. Soyez be humble. Soyez be humble. Je peux dire mon frère. I can say my brother. Prends mon X6. Take my X6. Roule avec ça. And go and drive it. Mon cœur sera. My heart will be humble. Même si tu le cognes dans un mur, je serai. Even if you go and crash it on a wall, my heart will be humble. I will be calm. Parce que ça sont les matériels. Because it is material. Le Seigneur veut que nous soyons. The Lord wants us to be humble. Alléluia. Vous comprenez, peuple. Do you understand, people of God? Be humble. Humble. Les vaches. And God will react. Alléluia. Amen. La Bible dit. The Bible says. La Bible dit ceci. The Bible says this. Nous formons tous le corps de Christ. That we all form the body of Christ. Le corps de Christ. The body of Christ. Dieu nous donne l'exemple du corps de Christ comme le corps d'un homme. God has given us the body of Christ. Dans le corps d'un homme. In the body of a man. Nous avons. We have. Avec nous. With us. La jambe. The feet. Avec les pieds. Le bail. Donc. We have the. Thighs. Yeah, we have leg, the leg, leg, leg. Yeah, leg. We have the leg. On a le pied. We have the feet. Et on a aussi la main, les bras. And we also have the hands. On a les oreilles. We also have on ears. A la bouche. We have mouth. Vous voyez cette harmonie dans notre corps. We can see this harmony in our body. Comment notre corps fonctionne? How our body functions. Il y a une certaine harmonie dans notre corps. There is a certain harmony in our body. Il n'y a pas de discussion dans le corps des hommes. There is no disagreement in the body of man. Et chaque partie du corps joue son rôle. And each part plays its own role. Dans le calme. In calmness. Et tout le corps se réjouit. And the whole body rejoices. Car le pied. When the fait quelque chose de bon. When the foot does something good. Comme mon frère qui est footballeur. My brother is a footballer. Avec ses pieds. With his feet. Qui est plus que celle de Zidane. That are
qui est plus que des Maradona. That are more than quand Maradona, il va commencer à marquer les billes, when he starts to alléluia, the ball, vous comprenez, c'est le pied qui a marqué les billes. C'est le pied où on détient goal. It is the feet that are going to score the goal. Alléluia. Amen. Mais tout son corps se réjouit. But his whole body also rejoices. Alléluia. Amen. Ainsi en est-il du corps de Christ. And goes to the body of Christ. Nous formons le corps de Christ. We all form the body c'est of Christ. Jésus qui est la tête. It is Jesus who is the nous head. Nous sommes les membres. We are just the members. Nous sommes des membres. As we are members, chacun de nous, each one of us, a reçu du Seigneur has un received, don. Has received from the Lord a gift. Soit deux. It's either two. Soit cinq. Or five. Comme nous avons vu le dimanche. As we have seen on Sunday. Mais pourquoi? But why? Nous avons tous reçu cela. We have all received from this. Pour le bon fonctionnement. For the good functioning of the body of Christ. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Do you understand? Le don que tu as, ma sœur. Give the job, my sister. Le don que tu as, mon frère. Give the job, my brother. Pour le bon fonctionnement du ministère de Nouvelle Vie en Jésus Christ. It is for the good functioning of the ministry New Life in Jesus Christ. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Do you understand? Vous comprenez? Do you understand? C'est comme notre sœur Maman Anne a reçu de Dieu cette grâce particulière. It is like our sister Maman Anne, she has received a particular grace. Oh, le Seigneur est merveilleux. The Lord is marvelous. Le Seigneur est merveilleux. The Lord is marvelous. Alléluia. Amen. Katomba. Katomba. Tu connais ce nom, Katomba. Hey! Katomba veut dire riche. Hey, Maman, c'est quoi riche? Quand on va riche, alléluia. Vous avez donné les noms. Il y a des noms quelquefois les gens donnent, c'est l'inspiration divine. There are names that people give, but they don't know that it's the divine inspiration. Alléluia. Amen. Il y a une bonne future devant vous. There is a good future before mais you. Mais ne vous forcez pas. But don't force. Ne vous forcez pas par vous-même. Don't force by yourselves. Ne vous forcez pas. Don't force. Dieu a des bonnes choses. God has good things. Je vois la gloire de Dieu dans votre vie. I can see the glory of God in your lives. Écoutez. Listen. Dieu a préparé de bonnes choses pour vous. God has prepared good things for you. Dieu a préparé de bonnes choses. God has prepared good things. Oh, je peux sentir la gloire de Dieu de ma tête jusqu'au plan de paix pendant que je vous parle. I can feel the glory of God from my head until to the soles of my feet. Si vous vous souvenez, if you can remember, je vous ai dit, I told ici you, à l'église, here in the church, au mois d'avril de l'année 2011, suivez-moi très bien. In the month of April 2011, j'étais dans la forêt. I was in the forest. J'ai prié. I was praying. J'écoute le Saint-Esprit me parler. I heard the Holy Spirit speaking to me. Je vais amener dans mon ministère. I'm going to bring in my ministry. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Et son frère Samuel. And his brother Samuel. Dans l'église. In the church. Ils seront utiles. They will be useful. Dans le ministère. In the ministry, you let Jesus Christ. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité, Papa Samuel. I'm telling you the truth, Papa Samuel. Papa Jean-Pierre. Papa Jean-Pierre. Vous êtes très utile dans cette ministère. You are very useful in this ministry. Ce n'est pas mon ministère. It is not my ministry. Mais c'est le ministère de Christ. But it is the ministry of Christ. Je vois la gloire de Dieu dans votre vie. I can see the glory of God in your lives. Vous ne savez pas, Maman Anne. You don't know, Mama Anne. Ce que Dieu a prévu pour what vous. What God has reserved for you. Do not force, but commencez à utiliser ce que Dieu vous a donné. Start using what God has given dans you. Le ministère. In the ministry. Je vais prier pour tout à l'heure. I'm going to pray for you very soon. Pour la grâce de la libéralité, c'est-à-dire de donner. For the grace aux of gens. Giving to people. Vous comprenez? Do you understand? Je vais prier pour cela. I'm going to pray for that. Ne vous forcez pas. But don't force. Ne vous forcez pas. Don't parce force. Que Dieu a préparé des grandes choses pour vous. Because God has prepared great things for les you. Les gens vont commencer à vous bénir. People will start blessing you. Mais but vous. You. Vous. You, utilisez ce que Dieu vous donne. But you use what ce que Dieu has met entre vos mains. What God has kept into your hands. Premièrement, les dons. First of all, the gifts that God has kept in you. Cette capacité. This capacity que Dieu vous a donné. That God has de given servir, to serve dans ce ministère que Dieu t'a donné. De prendre et de nettoyer la maison de Dieu. By cleaning the house of God. Tu nettoies la maison de Dieu. You are cleaning the house of God. Dieu a préparé déjà une maison pour vous. God has already prepared a house vous for you. Vous ne savez pas. But you don't know. Vous ne savez pas. You Papa don't know. Vous ne savez pas. You don't know. Mais Dieu a déjà préparé. But God has already prepared. Je vois tout. I've seen everything. C'est seulement question de temps. It is just a question of time, ça. But you start seeing these things. Dieu va commencer à vous surprendre. God will start surprising you. Votre vie va changer. Your life will change. Even your spiritual life. Parce que Dieu va faire un travail continuel dans votre vie. Because God is going to do a continuous work in your life. And you see the hand of God. Quand vous allez commencer à voir ce que Dieu va commencer à faire. When you start seeing what God is going to be doing, you will start vous allez crying. Commencer à pleurer. You start crying. Parce que cela va surpasser votre entendement. Because it will surpass your thinking. Alléluia. Amen. Dieu
va vous faire habiter dans une maison que vous n'avez pas pensé. God will make you live in a house that you have never thought of. Ici here in Germany. Je vous dis, moi, j'ai tout I'm vu. Telling you that I've already seen everything. J'ai tout vu. I've seen everything. Mais attachez-vous. But attach yourself. Papa Samuel. Papa Samuel. Attachez-vous. Attach yourself. Toi-même. Your quand je te parle pas pour la musique, je vis une autre chose. You, I'm not speaking about je ne parle pas parce qu'il y a cette grâce de la musique. Non, moi-même, je m'en fous. Je ne parle pas par rapport à la musique. I'm not speaking about mais une autre music, chose. But another, something else. Une autre chose que moi j'ai something vu. Else that m'a parlé, that God et Dieu m'a montré. That God showed me. Alléluia. Amen. Vous comprenez? You understand? I'm telling you. Aujourd'hui, c'est une journée prophétique. Today is a prophetic day. À cause des dons spirituels. Because of the spiritual gift. Parce que je vous révèle le mystère because, qui était caché dans votre because vie. I'm revealing to you the mystery that was hidden from in quand you. Quand on va retenir ces choses, maman, papa, retenez ça. Maman, Dieu father, va vous faire habiter dans une maison que vous n'avez pas God pensé. God will make you to live in a house that you have never thought of in Germany. That's why. N'écoutez pas l'Allemagne. Don't leave Germany. N'écoutez pas. Don't leave. N'écoutez pas. Don't leave. Restez ici. Remain c'est Dieu qui vous a mené dans cette église. It is God who brought you to this church. I'm telling you the truth. It is God who brought you to this church. It is the will of God. The glory of God. You will see it here in Germany in this ministry. I saw it. Ask God and He'll show you. Because if God speaks, He can also speak to you if you ask Him. A prophet. Il parle seulement ce qu'il voit. He only speaks of what he sees and what the Lord il tells him. Parler. He cannot speak ce qu'il n'a jamais vu. What he has never seen. Hey, mama. Ne quittez pas l'Allemagne. Je don't sais, ne quittez pas. Le Seigneur m'a déjà dit. The Lord already ne quittez pas l'Allemagne. Don't leave Germany. Alléluia. Amen. C'est ici que Dieu va vous garder. It is here where God will make you come here. C'est ici, Papa Samuel, Maman Marie. Dieu va vous. Je parle comme si je monte, mais je sais de ce que je parle. C'est ici. Dieu va vous garder. It is here where God is going to make you become big. I'm telling you the truth. Je parle rien que de la part de Dieu. I'm not. I'm just speaking from God's side. L'église peut s'étonner pourquoi je parle seulement à vous et à vos enfants. The church who can be surprised. Why am I talking about your children also you yourself? Pourquoi? Why? Non. No. Je n'ai rien récité. I've not. N'as-tu alors pas voté pas na bango? I've not received something from God. Mais c'est la grâce de Dieu. But it is the grace of God. Alléluia. Amen. Chacun a son tour. Everyone has his own turn. Vous comprenez? Do you understand? Aujourd'hui, today, c'était votre jour. It is their, it is your day. It is your day. I'm telling you the truth. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Parce que j'ai crié dans la prière. Because I prayed in the prayers for you people. J'ai crié dans la voix gaga la prière. I was shouting in prayer. Pour votre bonheur. For your goodness. Alléluia. Amen. Dieu parla à Isaac. God spoke to Isaac. Ne descends pas en Égypte. Do not leave. Do not go to Egypt. Comme ton père. As your father. Abraham a descendu l'autre fois en Égypte. Abraham went to mais Egypt. Mais tu as resté. But you remained there. Lisez la livre, le livre de Genèse, vous allez voir ces read choses. The book of Genesis, you'll see. Dieu dit à Isaac, ne reste, ne descends pas en Égypte, mais malgré la famine, reste là où tu es. God told Isaac to remain in Egypt, despite of the famine, he remained there. It is here that I'm going to bless. You. I will make you big. Lisez l'histoire de Jacob. Read the story of Jacob. Je vous le donne. I'm giving it to je you. Vous le donne. I'm giving it recevez to ça. You. And receive c'est it. Ici. It is here where God will make you become great. Alléluia. Amen. Je vous parle comme prophète. I'm speaking to you as a prophet. Qui voit le mystère dans les lieux célestes. Who sees the mystery in the spiritual realm. Alléluia. Amen. Vous comprenez le peuple de Dieu. You understand people of God. À un autre. And another. À un autre. To another one. Vous comprenez? Do you understand? La grâce de Dieu leur est donnée. The grace of God is given to prophétiser. Them to prophesy. Pendant que je prophétise. And as I was prophesying. Je prophétise. I prophesy. Selon la parole de Dieu. According to the word c'est of God. C'est-à-dire ce que je prophétise. That means what I'm prophesying. Ne surpasse pas. It doesn't surpass. La révélation de la parole. The revelation of the word. Vous comprenez? Do you understand? Même quand tu commences à prophétiser. Even when you start prophesying. Ta prophétie. Your prophesying. Ne peut pas surpasser. Should not surpass. Ne peut pas surpasser. Should not surpass. La parole écrite. The scriptures, the word of God. Dieu donne une prophétie, dit toi. God gives you a prophecy. Parce says que you, pécheur, because you are a sinner. Je vais te tuer aujourd'hui. I will kill you today. Non, 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 non. No. Dieu est miséricordieux. God is, is a merciful God. Il nous pousse à la repentance. He pushes us to repentance. Alléluia. Amen. Si tu écoutes quelques prophètes, aujourd'hui, today, je vais tuer une personne. I will kill a
Ça, ce n'est pas Dieu. That is not God. Je vous dis, ça, ce n'est pas Dieu. I'm saying that is not même God. Même si tu es mauvais, even if you are wicked, ce n'est pas de cette manière. It is not in this way God. Que Dieu peut régler ses affaires avec toi. That God can regulate His affairs with you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Yes. Dieu est bon. God is good. C'est pour cela quand tu prophétises. That is when you prophesy. Il faut que tes prophéties. Your prophecy. Donc il ne surpasse pas. Should not surpass. La connaissance. The knowledge. Des écritures. Of the scriptures. Où ne surpasse pas. And should not surpass the scriptures. Où ne met pas en doute. And you should not keep in doubt the scriptures. Alléluia. Amen. Vous comprenez le peuple de Dieu. You understand the word of God. It is very donc, important. Donc la Bible dit. The Bible says. Celui qui enseigne. The one who teaches. À son enseignement. And the one who teaches. Celui qui donne. The one who gives, oui, yes, les dons, give dans la simplicité. They should give in simplicity. C'est ce que je vais faire aujourd'hui à l'église. That is what I'm going to do today in the church. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens ici. There are many people here. Vous avez besoin de cette grâce de libéralité. You need this gift of giving. Pourquoi? Why? Si tu n'as pas cette grâce de libéralité. If you don't have this gift of giving. Dieu peut te parler, il va te faire du bien. God can tell you that he's going to do good to you. Je vous ai dit, il y a même des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont pauvres. I say to you that there are some servants of God who are poor today. Ils sont forts spirituels. They are very strong spiritually. Mais matériellement, ils sont pauvres. But materially, they are ils poor. Ils ne reçoivent de l'argent par force aux gens. They receive money by force from people. Donnez 1000 euros. Give 1000 euros. 5000 euros. 5000 euros. Tu seras béni. You're going to non, be blessed. Non, it is not like that. Cela ne se passe pas comme it ça. It doesn't happen like that. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui touche le cœur des gens pour te donner. It is God who touches the heart of people to give. Si tu ne donnes pas, if you don't give, tu peux être fort spirituel. You can be strong spiritually. Vous voyez la grâce de Dieu. You see the grace of dans God le ministère. In the ministry. Si moi je ne donne pas, if I don't give, Dieu va mettre une certaine poids dans votre cœur pour que vous ne me bénissiez pas. God will bring a certain weight in my heart so that you cannot bless me. Alléluia. Amen. Je vois à certaines personnes à passer prendre des 5 euros. I can see some people are passing take this 100 euros. Oui, pourquoi? Yes. Ces gens voient comment moi je bénisse. These people see how I bless. Alléluia. Amen. Oui. Yes. Il y a d'autres personnes vont venir à très bientôt and je vois avec beaucoup d'argent. The other people come will come with a lot of money. Parce que moi je donne. Because I give my brother. Je donne quand je travaille, je donne même mon propre salaire. When I was working, I used to give my own salary. La première fois de ma vie, j'ai touché les 1000. The first time I touched 1000 in my hand. Dieu intervient dans ton affaire de 80,000 euros. Qu'est-ce que toi tu as déjà semé à Dieu? For God to intervene in a business of 80,000 euros, what dans have you problem done? Problem now, your in business. In your problem of 80,000 euros, what have même. You done for God? Qu'est-ce que toi tu as semé d'abord? What have you first of all planted? Mon salaire fait. My salary. Mon salaire fait. My salary, my sister. J'ai donné ça. I gave it. À la maison, à la maison. At home. Alors je dois chercher à payer la maison. I should now try to pay for the house. Mais regardez, je prends tout mon salaire, je donne ça. But look, I took my whole salary and mais I gave. Je... But when I gave, Dieu me donne 5 fois. God gave me 5 times écoutez-moi. More. Écoutez-moi. Listen to me. Donnez. Give. Appel de recevoir. And then wait for receiving. Jésus a dit, écoutez-moi. Jesus said. Jésus a dit. Jesus said. C'est ça, cela se trouve dans le livre des Actes apôtres, le chapitre 20. It is found in the book of Acts of Apostles, chapter 20. Le verset 35 à descendant, verset 37, cela est écrit là-bas. From verse 25 to verse 29. Il y a plus de bonheur. That there is a lot of happiness. Quand tu donnes. When you give. Il y a plus de bonheur. There is a lot c'est of happiness. C'est-à-dire, quand tu reçois. When you receive. Il n'y a pas de bonheur. There is no happiness. Mais quand tu donnes. But when you il give. Il y a plus de bonheur. There is more than happiness. Alléluia. Amen. Donnez. Give my Jesus brother. Said, donnez. Jesus said, give. Il vous sera donné. And then it will be mais given toi, to tu ne donnes pas. But you don't tu es toujours dans la prière. You're always in prayer. Seigneur, bénis-moi. Lord, bless Seigneur, bénis-moi. Lord, bless financièrement. Financially. Mes affaires. Bless my business. Non, non, non. Cela ne marche pas comme it ça avec Dieu. It will not work like that cela with God. Cela ne marche pas comme it ça. It doesn't work la like that with God. C'est lui qui sait. The Bible says the one who plants. Abondamment. Abundantly. Moissonnera aussi abondamment. You also reap abundantly. Mais toi, tu ne sèmes jamais. But you never plant. Tu veux récolter. And you want to harvest. Aujourd'hui, on a des pasteurs.
on a des pasteurs qui prennent des forces dans l'église de la vie des peuples. Today we see pastors who take money by force from the lives of people. On ne peut pas faire cela. You cannot do that. Toi-même le pasteur. Do yourself the pastor. Aujourd'hui on doit bénir ceux qui travaillent à l'église. Today we're going to bless the ones who are in the church. On va commencer à bénir aujourd'hui. We start blessing today. Moi-même le pasteur. The pastor. Comme exemple. As an example. Mon enveloppe est là. My envelope is je there. Je dois bénir. I have to ceux bless qui travaillent à l'église. The ones who work in the church. J'ai amené aussi la mienne. I also brought mine. J'ai dit à ceux qui travaillent à l'église, donnez aussi. I also told the ones who work in the church to give. Parce que because moi j'ai besoin de te donner. Because I want you to give. Toi tu as besoin aussi de me donner. I also c'est comme need ça. To give me. It's tout like ça that. Marche comme ça dans le royaume de Dieu. Like tu ne peux pas seulement attendre. You cannot just wait to receive. Cela ne marche pas comme it ça. It doesn't work like that in God. Avec Dieu il faut apprendre. With God you have to learn. Alléluia. Amen. C'est pour cela. That is why. C'est pour cela. That is why. Donner. Give. Alléluia. Amen. Mon frère Emmanuel, ne t'inquiète pas. Retiens seulement les instructions. Just keep the instructions. C'est ton temps. It is your time. Attache-toi à Dieu. Attach yourself tu to God. Tu verras seulement ce que Dieu va faire. You simply see what God will do. Je ne savais pas qu'aujourd'hui tu seras à l'église. I didn't know that you're going to be today in church. Mais toujours le Seigneur me mettait dans mon esprit toujours à penser sur toi. But God has made me to be always thinking about ça, you. Ça c'est ton temps. Now is your time. Ça c'est son temps. Now is your retiens time. La parole. Keep the word. Marche avec Jésus. And walk with Jesus. Tu verras ce que Dieu va and faire. And see what God will do. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Listen to continue me. Continue de donner. Continue giving. Continue. Continue. Continue de donner. Continue giving. Continue de faire continue doing good. Écoutez-moi. Un jour je suis venu à l'église. One day Jesus. Un jour je suis venu à l'église. One day I came to church. À 2011. In 2011. Je crois les gens qui se trouvaient à l'église à cette époque ont vu. The people who were born in church at that time they saw. Mon père spirituel me dit ceci. Écoutez très bien. My spiritual father told me this. Listen to me very well. Écoutez très bien. Listen very well. Écoutez-moi. Listen to me. Il me dit le Seigneur te dit. The Lord is telling you. Mon fils. My son. Tes vêtements. Your clothes. Vous voyez comme je me suis habillé comme aujourd'hui. You see the way I've dressed myself today. Tout ce que tu portes. Everything that you have. Mais je n'ai pas donné mon slip. But I did not give my boxes. Alléluia. Amen. Mais tout ce que j'ai porté. But everything that I les chaussures. The shoes. Mon ensemble. My suit. J'ai tout donné. I gave à un frère à l'église. To a brother in the church. Il dit tout. He said everything. Mais bien aimé dans le Seigneur. My dear brother, je n'ai pas Lord. Résisté. I did not resist. J'avais deux paires de chaussures ce jour-là à mener à l'église. And that day in the church I had two pairs in the church. L'autre c'était dans le véhicule. The other one je suis parti. I went. C'était à l'église les frères ont vu. Then it was in the church. J'ai enlevé la veste. I removed it. J'ai enlevé les cravates. I removed it. J'ai enlevé les gilets. I removed the belt, I removed the tie. And I removed the this waistcoat. J'ai enlevé. J'ai enlevé les chaussures. I also removed. J'ai donné le frère à l'église. And I gave it to the brother in the church. Après l'église, les jours suivants, j'amène les pantalons et les et la chemise. After church, the next day, I brought to him the shirt. Je reçois le message. Then I received the message. Parce que tu as obéi à ma parole. Because you obeyed to my word. Tu verras ce que je vais faire. You will see what I will do. Alléluia. Amen. Vous comprenez le peuple de Dieu. Do you understand people of God? La miséricorde. The mercy. Je sais que Dieu fait que je communique cette grâce à l'église. That is what God wants me to communicate this grace to the church. Listen to me. Today I give to people. Les frères à l'église et les sœurs sont témoins. The brothers and sisters in the church, they are witnesses. J'ai donné à 2011 presque le vêtement de 10,000 euros à mes frères et sœurs à l'église. In the church in 2011, I gave to people clothes that were costing more than 10,000 euros. J'ai donné. I gave. Avant, je ne donnais pas comme ça. And before, I was not giving mais that j'étais avec un homme de Dieu. But I was with a man of moi, God. J'ai travaillé. I was working. Mais lui, il prenait que l'argent de la sociale. But he was taking money from the social. Et social arbeit. The social work. Dans la sainte église où on était. In the old church where we were. Il organisa lui. And he. Il a organisé. He organized pour l'église. For the church. La première fête de l'église. The first feast of the church. Écoutez-moi. Listen to quand me. J'ai vu ce que lui l'a when fait. I saw what he has been watching. Moi j'ai travaillé. I was working. Lui il ne travaillait and pas. And he's not mon working. Cœur était bouleversé. My heart was moved. Je pleurais devant Dieu. I cried je before God. Cette grâce. And I asked God for this grâce. Alléluia. Amen. Dieu m'a donné la grâce de la and vie. God gave me the gift of giving. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Do you understand? Si tu as cette grâce de libéralité. If you have the grace of giving. You become rich. Dieu ne permettra pas que tes mains manquent quelque chose. God will not allow your hands to lack. J'insiste beaucoup pour cette don dans l'église. And I'm really insisting on parce this. Parce que Dieu va vous bénir. Because God will bless quand you. Quand je parle que Dieu va bénir les gens, when vous pensez que vous serez bénis ce jour-là comme ça.
La Bible dit ceci. Les dons que nous avons dans le corps de Christ. The gifts that we have in the body of Christ. C'est le Saint-Esprit qui les manifeste. It is the Holy Spirit that manifests them. C'est le Saint-Esprit qui les manifeste. It is the Holy Spirit that manifests them. But tout ça est utilisé pour la gloire de Dieu. Everything is used for the glory of God. Alléluia. Amen. Travailler. Work. Pour la gloire de Dieu. For the glory of God in the ministry. Travailler. Work. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? What has God given you? Quel don Dieu a mis à toi? Well, which gift has God kept in you? Alléluia. Amen. Travailler pour Dieu. Work for God. Par rapport à cet don. According to your gift. Même quand ton don, écoutez-moi peuple de Dieu. Listen to me, people of God. Même si ton don semble avoir l'impact par rapport à d'autres dons. Even if your gift can have a lot of impact more than other people's gifts. Tu peux commencer à prophétiser à l'église. You can start prophesying in the church. Et tu vois que vraiment les prophéties que tu donnes, les gens voient vraiment les réponses à ces prophéties. And you said the prophecy that you've given, people really have a response to this prophecy that you've given. Mais il faut savoir une chose. But you have to know something. C'est une grâce de Dieu. It is a grace of God. Sois humble. Be humble. Fais humblement. And work in humility. Work in humility in the will of God. Don't show that you surpass other people. Even when the work that you do in the church is surpasses the works of all other brothers and sisters in the church. But you, mon frère, ma sœur, my brother, my sister, don't show yourself that you, c'est toi qui es plus meilleur que les autres. That you are better than the other. Alléluia. Amen. Sinon Dieu va arrêter de se manifester dans ta vie. Otherwise God will stop manifesting himself in your life. Parce que Dieu n'aime pas les autres. Because God doesn't like people who are proud. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? C'est que Dieu veut que tu fasses pour lui. What God wants you to mais do pour lui, pardon. For him. Dieu sait pourquoi. God knows why. Même si les autres déconsidèrent ce que toi tu fais. Even people disconsider what you do. Attention. Pay attention. Mais toi tu sais de qui tu as reçu cette grâce. But you know it from whom you have received this grace from. C'est pour cela si nous lisons 1 Corinthiens 12. That is why when we read Corinthians là où nous avons lu. 12 where we have read. À partir de verset 18. From verse 18. En descendant jusqu'au verset 27. Until verse 27. L'oreille. The ear. Ne peut pas dire il surpasse le pied. Cannot say that it surpasses the la main ne peut pas dire il surpasse la bouche. The hand cannot say it's better than the mouth. Mais, but tous ces dons-là travaillent pour l'harmonie dans le corps. For the harmony in the body. Et si nous, quand nous allons commencer à travailler, and same goes for us when malgré nos différents dons, despite our different gifts, laisse que nos dons, let our gifts, laisse que nos dons, let our gifts, soit seulement be simply pour la gloire de Dieu. For the glory of God. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? You understand? Même si les autres font que ah non, regardez toi, ce que toi tu fais, even when people say that what you have done, ton travail n'est pas work bon, work is not good. No. Alléluia. Amen. C'est comme l'exemple que nous voyons de notre maman. It is an example. Elle fait le travail qu'elle fait à l'église. The ones that she does in the church. Alléluia. Amen. Mais elle ne sait pas ce que Dieu a réservé. But she doesn't know what God has reserved for her. Elle prend la maison de les soins de maison de Dieu. She takes care of Dieu God. Dieu a réservé une grande chose pour elle. God has already reserved as a great for them. Vous comprenez? Do you understand? Les autres peuvent mépriser. Others can despise what you're doing. But you. Faites-le de tout ton cœur. Do it from tu the sais whole pas heart. Ta récompense. You don't know your pain. C'est pour cela Dieu a dit à Abraham. That's why God told Abraham. Marche avec moi. Walk with me. Sois intègre. Be a man of integrity. And be. Ta récompense est grande. And your payment will become. Même big. Si tu balayes l'église. Even if you're sleeping in the church. Oui, on va partir dans notre propre place. We go to our own place. On va commencer à prendre soin de cette we'll place. We'll start taking care of that place. Alléluia, on aura beaucoup de gens faire ce we'll travail. We'll have many people be non, doing pas seulement une seule personne. Not
not only one person. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Que Dieu va choisir dans le travail de Raïgoum. The ones who God is going to choose them in the work of cleaning. They should do it from their own. Même ceux qui travaillent dans les bureaux. Even the ones who will work in the office. Avec ceux qui travaillent dans les Raïgoum. The ones who work with them. Devant Dieu. Cleaning before God. Nous sommes tous un. We are all one. Nous sommes tous pareils. And we are all the same. Nous allons faire ce travail pour la gloire de Dieu. And we do the work for the glory of God. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Parce que nous travaillons afin qu'il y ait l'harmonie dans les corps. Because we work so that there can be harmony in the body. C'est Dieu qui a disposé cela. It is God who has disposed ces choses. It is God who has disposed these things. Why? Nous tous on ne peut pas être la bouche. Because all of us cannot be the mouth. Alors que sera alors l'oreille? And what? Who is going to be the ear? Alléluia. Amen. Si nous tous nous sommes le pied. If all of us are feet. À quoi sert le pied sans la bouche, sans les yeux, sans l'oreille? And with what will it be with the feet if there is no ears, there is no mouth, there is no eye? Alléluia. Amen. Je m'arrête là aujourd'hui. I stop there today. Parce que j'ai dit, je vais terminer cette message aujourd'hui. Because I said I'm going to finish this message today. Je vais prier. I'm going to pray. La grâce de donner. The grace of giving. C'est ce qui manque beaucoup. That is what is lacking many people. Il faut commencer à donner. You have to start giving. Si tu commences à donner. If you start giving. Dieu va commencer à te donner. God will start giving you. Alléluia. Amen. Et même si vous gagnez votre argent dans la souffrance. Even if you earn your money through suffering. Mais. But donne, give librement, freely de tout tes cœurs, from your whole heart and you see the glory of God. Amen. Amen. On va prier maintenant. You're going to pray right now. On va prier. You're going to pray. On va prier. You're going to pray. Mettons-nous debout. Let us stand up on our feet. Mettez la musique. Let us pray. Mettez la musique. Soyez disposés. Il y a la grâce des dons spirituels qui va se répandre à l'église. C'est lui qui a donné cette message. Va vous faire du bien. Et va vous faire du bien. C'est lui qui a choisi de vous parler aujourd'hui de cela va vous faire du bien. Is the Lord God Almighty, the whole earth is filled with His goodness. And Bill, Almighty Bill. He is set apart. So listen to Him. Commence à parler à Dieu de ta dans ton cœur. Start talking to God from your heart. Commence à parler à Dieu. Start talking to God. Le Seigneur veut que tu le sers. The Lord wants you to serve. Non pas en dehors des dons spirituels. Not outside the spiritual gifts. Mais il veut. But he wants that you should serve him. Par les dons qu'il t'a donné. Through the gifts that he has given you. Le Seigneur. The Lord. Fais te bénir. Wants to bless you. À travers de ce que toi tu vas faire pour lui. Through what you're going to do for him. Ce n'est pas en vain que tu sois là, mon frère, ma sœur. You are not in vain. Ne regarde to personne. Be here in this place. And don't look at anybody. Mais vois Dieu. But see God. Vois Dieu. See God. Oui, vois Dieu. Just see God. Je sais aujourd'hui la vie de beaucoup de gens seront changées. I know today that the lives of many people is going to be changed. L'apôtre Paul dit ceci. The apostle Paul says il this. Il dit à Timothée. He says to Timothy. Ranimer. That you should animate. Le don que tu as reçu. You should animate the gift that you have received. De mes mains. Through the imposing of my hand. Dieu va vous communiquer aujourd'hui. God will communicate to you. Il y a les dons. There are gifts. Comme Dieu a révélé à nos enfants. God, the way God has revealed to our children. Comme Dieu a révélé. God, the way God has revealed. À nos enfants. To our children. À notre frère William. To our brother William. La grâce de Dieu dans leur vie. The grace of God in their lives. Laisse-moi te dire. Let me tell you. Il y a une grâce de Dieu va se poser aujourd'hui dans ta vie. There is a grace of God that is going to remain in your life today. Il y a une grâce de Dieu. There is a grace of God. Il y a une grâce de there Dieu. Is a grace of God. Oui, croyez à Dieu. Yes, believe in God. Ne regardez personne. Don't look at anybody. C'est la volonté de Dieu pour toi. It is the will of God to be there. C'est la volonté de Dieu. It is the will of God. Dieu veut te bénir. God wants to bless you. À travers les dons spirituels. Through the spiritual gifts. Parce que en reconnaissant ton don. But through that you can know your gifts. Tu vas les servir avec les dons spirituels dans le corps de Christ. You serve through the spiritual gifts. Et dans le ministère Nouvelle Vie.
en Jésus-Christ. And the ministry of Jesus Christ. Et tu verras la gloire de Dieu. And you see the glory of God. Va t'accompagner. Will accompany you. Tu verras la gloire de Dieu. You see the glory of God. Va se manifester. Will manifest itself. Il y a une grande grâce de Dieu. There is a great grace of God. Il y a une grande grâce de Dieu. There is a great grace of God. Il y a une grande grâce de Dieu. There is a great grace of God. Il y a une grande grâce de Dieu. There is a great grace of God. Il se pose ici la vie de toute personne. There is posing the life of each and everyone. Oui, le Seigneur va marquer votre vie. The Lord will mark your life. Vous deviendrez courageux. You will become courageous. Dans le travail de Dieu. In the work of God. Oui, vous ne serez pas affaibli encore. You will not be weak again. Parce que Dieu va vous bénir. Because God will bless you. À travers des dons. Through the gifts. À travers de cette capacité qu'il vous a accordé. That is going to give you. Parce que cela vient de lui. Because it's coming from him. C'est lui qui vous a accordé cette capacité. He's the one who's giving you this capacity. Et il veut que vous le serviez avec cette capacité. And he wants you to serve him with this capacity. Oui. Yes. C'est le Seigneur qui vous a accordé. It is the Lord who has given you this. C'est le Seigneur qui vous a accordé. It is the Lord who has given you this capacity. C'est le Seigneur qui vous a accordé. It is the Lord who has given you this capacity. Commence à parler à Dieu. Start talking to God. Il y a la grâce de Dieu dans cette maison. There is a grace of God in this house. Toi qui es malade. You who is sick. Ne t'inquiète pas de ta maladie. Don't worry of your sickness. Le Seigneur va te toucher. The Lord will touch you. Oh, cette douleur va te quitter. This pain will leave you. Cette douleur va te quitter. This pain will leave you. Cette douleur va te quitter. This pain will leave you. Oh, je vois la gloire de Dieu. I can see the glory of God. Je vois la gloire de Dieu. I can see the glory of God. Parle à Dieu de tout ton cœur. Speak to God from your whole heart. Ne regarde personne. Don't look at anybody. Parle à Dieu de ton problème. Speak to God concerning your problem. Parle à Dieu de ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Concerning what he wants you to do for you. Il est Dieu. He is God. Il va glorifier son nom dans ta vie. He will glorify his name in your life. Oui. Yes. Il est Seigneur. He is Lord. 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 Que le Seigneur commence à te toucher. May the Lord start touching you. Que le Seigneur commence à te toucher. May the Lord start touching you. Que la grâce de Dieu. May the grace of God descend upon you. Descend in your lives. Oui, soyez disposés. Be ready. Il y a une grande grâce de Dieu. There is a great grace of God. Il y a une grande grâce de Dieu. There is a great grace of God. Dans la maison. In the house. Ouvrez votre cœur. Open up your heart. Car vous allez entrer maintenant dans le calendrier de Dieu. As you now enter into the calendar of God. The Lord will operate great things in your lives. Be disposed. It is not a man who's going to do it, but it is God who's going to do it. Simply talk to God. 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 Parlez à Dieu. Simply talk to God. Parlez à Dieu. Talk to God. Parlez à Dieu. Talk to God. Il y a une grande grâce de Dieu dans la maison. There is a great grace of God in the house. Il y a une grande grâce de Dieu dans la maison. There is a great grace of God in the house. Il y a une grande grâce de Dieu. There is a great grace of God. Il y a une grande grâce de Dieu. There is a great grace of God. Apôtre Paul dit à Timothée. Apostle Paul said to Timothy. Le don que tu as reçu de moi. The gift that you received from me. Par l'imposition des mains. Through the imposing of the hands. Animez ça, Timothée. Animated Timothy. Animez ça, Timothée. Animated Timothy. Ne permets pas que ce don se refroidisse. Don't allow this gift to freeze. Parlez à Dieu. Speak to God. Il y a la gloire de Dieu va s'éclater dans ta vie. The glory of the glory of God is going to burn out in your life. La main de Dieu très haut est sur ta vie. The hand of the Most High God is upon your life. The hand of God. La grandeur de Dieu va manifester dans la vie d'une personne. The greatness of God is going to manifest itself in the life of a person. In the lives of all that believe. Dans la vie de tous ceux qui croient. In the lives of all that believe. Car vous allez servir Dieu avec une force de flamme. As you're going to serve God with a strong flame. À travers les dons spirituels. Through the spiritual gifts. Oui. Yes. C'est par cela que tu vas recevoir de Dieu les choses that, que Dieu te promet. It is true that you're going to receive the things that God has promised. Dieu va ramener ces choses. God will bring these ne things. Ne te posez pas de questions comment cela va se faire. Don't ask yourself questions that how is it going to happen. De la parole de Gabriel à Marie. Remember the word of Gabriel to Mary. Le Dieu tout puissant. That the Almighty God. Ouvrira de son ombre. We cover you with his shadow. Et tu viendras enceinte. And you become pregnant. Lui qui n'a pas connu un homme. She would never mais la gloire de Dieu.
Dieu. By the glory of l'ombre de Dieu tout puissant l'a couvert. The shadow of Almighty God covered her. Et la vie de cet homme était, la vie de Marie était changée. And the life of Mary was changed. Je te dis mon frère, ma sœur. I'm telling you, my brother, my sister. Ne demande pas de questions. Don't ask questions. Comment ces choses vont se manifester dans ma vie? How can these things manifest themselves in my life? How can they be accomplished in my life? This is what God is asking you. Comment un homme comme moi? How can a man like me? Comme moi? How can a woman like me? Parce que Dieu, because God, Dieu, God, élève une personne. God lifts a person. Élève un homme. He lifts a man. Élève une personne. He lifts a person. Élève une personne. He lifts a person. Dans cette église. In this church. Cette personne deviendra puissante. This person will become powerful. Il va commencer à construire la maison. This person will start constructing cet houses. Cet homme va devenir très riche. This man will become dans very rich. Dans cette ministère. Il y a une personne. There is a person. Dieu le rendra fortement riche. God is making that person become cet very rich. Cet homme va commencer à construire. Il y a cette personne est à l'église. This person is in the church. Il sera un instrument dans cette église. He will be an instrument in this church. Un homme. A man. Une personne. A person. Je dis une personne. I'm saying a person. Dieu va l'élever. God will lead. Il va commencer à construire des maisons. Construire. Il deviendra millionnaire. He will become a millionaire. Il deviendra très puissant. Very powerful. La gloire de Dieu est dans cette maison. The glory of God is in this house. La gloire de Dieu. The glory of God. 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 La gloire de the Dieu. Of God. Ne te demande pas. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Une personne deviendra très riche. Il deviendra fortement riche. Il va commencer à construire les maisons. Oui. Yes. Oui. Yes. La gloire de Dieu c'est toi. The glory of God is upon you. La gloire de Dieu te touche. The glory of God is touching you. Je veux prier pour les dons de la libéralité. I'm going to pray for the gift of giving. Que vous commencez à donner. And you should start giving. Je veux prier pour les dons de la libéralité. I'm going to pray for the gift of giving. Je veux prier. I'm going to pray. Mais. But là où tu es, where you are, si tu veux que je prie pour toi, if you want me to pray for pour you, la grâce et la libéralité, for the grace of giving, que Dieu te communique cet temps, that God should communicate to you this parce gift, que l'apôtre Paul dit, because Apostle Paul says, les dons que tu as reçus par l'imposition de mes mains, that the gift that you have received through the imposition of my hands, but I'm going to pray for tu you. Tu vas devenir quelqu'un qui va commencer à bénir. You become someone who will be blessed. Et Dieu va te lever à travers des données. And God will lift you. Dieu va t'utiliser à travers des dons. God will use it through giving. Dieu va t'utiliser à travers des dons. God will use it by giving. Alléluia. Amen. Commence à prier le Seigneur. Start praying to the Lord. Commence à prier le Seigneur. Start praying to the Lord. Commence à prier le Seigneur. Start praying to the Lord. Commence à prier le Seigneur. Start praying to the Lord. Start praying to the Lord. Commence à prier le Seigneur. Start praying to the Lord. Commence à prier le Seigneur. Start praying to the Lord. Commence à prier. Je veux prier pour la libéralité. I want to pray for. Viens, s'il vous plaît. Please come. Si tu fais que le Seigneur te communique la grâce de la libéralité. If you want the Lord to communicate to you the grace of giving, come. Et tu commences à donner. So that you can start giving. Et cette grâce. And this grace. Te servira aujourd'hui. Should seize you today. Le Seigneur ne va pas te laisser le président. And the Lord will never leave without parce que tu vas commencer à donner. Because you start giving. Pour la gloire de Dieu. For the glory of God. Tu vas commencer à donner dans le ministère. Et tu vas commencer à bénir les gens. Blessing people. Pour la gloire de Dieu. For the glory of je God. Je vais prier pour la libéralité. I want to pray for giving. Le Seigneur m'a accordé cette grâce. The Lord has given me this grace. Je veux que cette grâce soit répandue à l'église. I want this grace to be poured in the church. Que tu commences à donner. And you should start giving. Même quand toi-même tu n'as rien. Even when you have nothing. Mais tu donnes aux gens. But you give to tu people. Tu peux avoir, tu peux rester les mêmes filles. And you can even remain empty handed. Mais tu peux donner aux gens. But you can give. C'est que toi-même tu aimes beaucoup. What you yourself love a lot. Je vois la gloire de Dieu. I can see the glory of God. Dans la vie de beaucoup de in gens. The life of many people. Vous allez devenir très fort matériellement, financièrement. Financially, materially. Parce que because vous allez commencer à réjouir le cœur de Dieu. Quand tu vas commencer à donner aux gens, when you start giving to c'est à Dieu que tu vas commencer à donner. It is you are going to be et Dieu va multiplier ce que tu as. And God will multiply what you have. Et Dieu va multiplier ce que tu as. God will multiply what you have. Et Dieu va multiplier ce que tu as. God will multiply what you have. Et Dieu va multiplier ce que tu as. God will multiply. Dieu va multiplier. God will multiply. God will multiply. Ce qu'il t'a donné. What he's giving you. Ne reste pas à ta place. Don't si tu vois, si tu vois, tu as les difficultés de donner. If you said you have difficulties in giving. Viens. Come. Tu vas commencer à donner. And you start parce giving. Que la gloire de Dieu se because manifestera à travers les dons de ta vie. Is going to be manifesting. It's going to be manifested through the
Don't look at me. I can see the prayer. You start giving from your whole heart. You start giving from your whole heart. You start giving. Lord God of glory, I say thank you. Ce n'est pas par l'instruction d'un homme que j'agis. It is not through the instruction of a man that I react. Mais si j'agis, but if I react, si je parle, if I speak, je parle parce que toi tu me dis. I'm speaking because you have told me. Je parle parce que toi tu me parles. I'm speaking because you have spoken to me. De prier pour tes enfants. To pray for your children. Afin que leur vie change. So that their lives can change. Afin que leur vie change. So that their lives can change. Seigneur mon Dieu, Lord my God, communique à mes frères. Communicate to my brothers. Communique à mes sœurs. Communicate to my sisters. Cette grâce de donner. This grace of giving. Communique à eux. Communicate to them. Cette grâce de donner. This grace of giving. Que ces frères et sœurs commencent à donner de toute leur cœur. Start giving from their whole heart. Restaure leur finances. Restaure leur finances. Qu'ils soient prospères. Qu'ils deviennent puissants. And they become powerful. Matériellement, financièrement. Comme tu m'as parlé. As you have spoken to c'est me, toi. It is you. Qui m'a fait ce que je suis. That has made me to be who I am. Qui a fait que je donne aux autres. You have made me to give to the others. Qui a fait que je donne aux autres. You have made me to give to the others. Et tu m'as béni. And you have blessed aujourd'hui, me. Today, tu veux communiquer. You want to communicate. La même grâce que tu as mis dans ma vie. That you have kept in dans la vie de mes frères. The life of dans my la vie de mes sœurs. Seigneur, Lord, je veux que cette grâce, I want this grace, amène mes frères, to bring my amène mes sœurs, to bring my sisters, de loin, far, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom. Bénisse leur vie, bless their lives, et donnez les gens, and also surprise people qui les connaissent, that know them, à cause de ta bénédiction, through your blessing, que leur vie may their lives change, parce qu'ils ont accepté, because they have accepted de recevoir, to receive cette grâce, this grace, cette grâce, this grace, de bénir, of blessing, de donner. Pour toi, for you, et pour ta gloire, glory, dans ton œuvre, et dans la vie de beaucoup de gens. Seigneur, Lord, que cette grâce te soit communiquée. Reçois maintenant. Receive right now. Reçois receive la grâce. Reçois receive les dons de donner. Les dons de la libéralité. Reçois. Reçois. Receive au nom de Jésus. In the name of Jesus. Reçois. Receive. Reçois au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois cette capacité de Dieu. Reçois. Reçois. Commencez à donner librement. Ouvrez tous vos mains. Ouvrez tous vos mains. Ouvrez tous vos mains. Car la grâce de Dieu se posera sur vous. Car la grâce de Dieu remplit votre vie. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce de donner. Que le don de la libéralité te soit communiqué maintenant. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus, je libère cette grâce. I see this grace. Au nom de Jésus, Jesus name. Reçois. Receive. Au nom de Jésus. In Jesus name. Seigneur, merci. Lord, thank you. Que cette grâce, may this grace, t'amène loin. Bring you far. Au nom de Jésus. In Jesus name. Merci, Seigneur. Thank you, Holy Spirit. Saint-Esprit, merci. Holy Spirit, thank you. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Oh, la grâce de Dieu se pose sur toi. The grace of God is upon you. Merci. Thank you. La main de Dieu sur toi. The hand of God is upon you. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Communique à mon frère cette grâce. For communicating to my brother this grace. Merci. Thank you. Reçois. Receive. Reçois. Receive. La grâce. Receive the grace. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Reçois cette grâce. Receive this grace. Reçois cette grâce. Receive this grace. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Que cette grâce. May que cette grâce. May this grace. Amène la grandeur. Bring greatness. Que ta vie devienne grande. May your life become great. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Seigneur, merci. Lord, thank you. Seigneur, merci. Thank you, Lord. Devienne prospère. Become prosperous. Et reçois la grâce. And receive the grace.
Power in Jesus' name. Power, receive. Je libère la grâce. Et puis des grâces. Thank you, Lord. Je veux prier pour les malades. I'm going to pray for the sick. Viens. Come. Je veux prier pour les malades. I want to pray for the sick. Toi qui as mal. You who has pain. Alors je veux prier pour toi. I want to pray for you. Viens. Come. Toi qui as les douleurs dans le corps. You have pains in your body. Je veux prier rapidement. I want to quickly pray for you. Je veux prier pour toi. I want to pray for you. Merci Seigneur. Thank you Lord. Pour ta mal. When you have pains. Just mal. Oh, merci Thank you Lord. Seigneur, merci. Thank you, Lord. Quand j'étais dans la prière, as I was praying, j'ai vu cette... I saw this pain. I see this pain in your body. Lord, you have made me to see this pain. Right now, touch my sister. Right now, touch my sister. Right now, touch my sister. May this pain, in the name of Jesus, I command, in the name of Jesus, to this pain, in your chest, as you told me, when I was praying, in the name of Jesus, may this pain, au nom de Jésus. In the name of Jesus. Quittez maintenant son poitrine. Leave your chest now. Donne. I command. Toi, esprit de fidélité. Je t'en donne. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que cette douleur. Que cette douleur. Que quitte maintenant. Right au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette douleur. Que cette douleur. Reçois le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Sois guéri. Sois guéri de cette douleur. Au nom de Jésus. Infirmité, sors. Sortez dans les Nazarites. Au nom de Jésus. Père, merci de la toucher. Père, merci de la guérir. Que cette douleur dans ton poitrine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Oh, couvre-la maintenant par le sang. Cover her with the blood. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Reçois maintenant. Receive right now. Ta guérison. Your healing. Sois guéri. Be healed. Que cette douleur te quitte. May this au nom de Jésus. Jesus. Sois guéri. Be healed. Que la puissance te mette ici. May the power of the wound. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Enlève cette douleur. Remove this pain. Sois guéri. Be healed. Sois guéri. Be healed. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Et le couvrir. For là-bas, c'est guéri en lobo. Oh, Jésus de Nazareth. Oh, Jesus of Nazareth. Couvre-la par ton sang. Cover her with your blood. Protège-la par ton protect sang. Protect her with your de blood. De la tête jusqu'au planter. From the crown of our head to the soles of our feet. Au nom de Jésus de Nazareth. In Jesus' name of Nazareth. Seigneur, merci Lord, pour le miracle. Lord, thank you for the miracle. Seigneur, merci pour Lord, le miracle. Lord, thank you for the miracle. Seigneur, merci pour Lord, le miracle. Lord, thank you for the miracle. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Tu te sens très bien? Tu te sens très bien? Alléluia. Tu te sens très bien, tu peux parler au micro, tu te sens bien. Oui, je me sens bien. Tu te sens bien? Oui. Alléluia. Les douleurs est parti. Amen. Les douleurs est parti. Amen. Amen. Alléluia. Que cette guérison soit permanente au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur. Pourquoi tu plais? Tu plais pour la joie. Donne gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais prier. I'm going to pray. Je vais prier. I'm going to pray. Toi qui es malade, viens, je vais prier. You is sick, I'm going to pray. Oh, elle avait les douleurs, le Seigneur l'a touché, l'a guéri. The Lord has healed. La douleur est partie, je the vais prier tout de suite. I'm going
Je vais prier pour tout de suite. Je vais prier tout de suite. Seigneur, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Ne regarde personne. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Oui, ceux qui ne viennent pas devant. Mais tous les là où ils sont. Laisse que les douleurs dans leur corps. Laisse que les douleurs dans leur corps. Seigneur, les quitte au nom de Jésus. Seigneur, les quitte au nom de Jésus. Seigneur, les quitte au nom de Jésus. De la tête jusqu'au plan des pieds. Au nom de Jésus. Que cette douleur les quitte. Que cette douleur les quitte. Que cette douleur les quitte. Qu'ils soient guéris. Qu'ils soient guéris. Qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus. De leur maladie. Au nom de Jésus. De la tête jusqu'au plan des pieds. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui a un problème qui dérange son cœur. Qui a un problème qui dérange son cœur. Qui a un problème qui dérange son cœur. You have a problem that is disturbing your heart. Ne regarde pas ton problème. Tiens tout de suite. Can't tiens tout de suite. Tu as un problème qui dérange. You have a problem that is disturbing your heart. Tiens un problème qui dérange. You have a problem that is disturbing your heart. Come, I'm going to pray for you. Tiens un problème. You have a problem. Qui dérange ton cœur. It's disturbing your heart. Verse ton cœur. Ne regarde pas ton problème. Don't look at your problem. Don't look at the greatness of your problem. Mais viens. But come. Je vais prier pour toi. I'm going to pray for you. Viens, je vais prier pour come, toi. I'm going to pray for you. Seigneur, merci. God, thank you. Ne regarde personne. Don't look at anybody. Dieu ne mange jamais. Tiens le problème dans les yeux. My God doesn't lie. You have a problem. Dieu ne mange jamais. Tiens le problème. My God never lies. You have a problem in your heart. Il y a un problème qui te dérange. Problem that is disturbing you. Seigneur, je vais prier pour toi. Come, I'm going to pray for you. Seigneur, merci. Lord, thank you. Je n'ai pas assez de temps. Je ne veux pas dire ici pour toi. I'm not going to stay here for a long time. Je ne peux pas dire ici longtemps. I cannot stay here for a long time. La prière doit. On doit clôturer notre programme. Because we have to close our program. Mais on va faire le reste des services. But you have to make the rest of the mais service. La volonté de Dieu doit être faite. But the will of God has to be done. Tu as le problème qui dérange vraiment ton cœur. You have a problem that is really disturbing your heart. Tu as vraiment le problème qui dérange ton cœur. You have a problem that is really disturbing your heart. Seigneur merci. Thank you Lord. Seigneur merci. Thank you Lord. Je vais te dire mon frère quoi. I want to tell you my brother believe. Je vais te dire mon frère quoi. I want to tell you my brother believe. Il y a la solution. It's a solution. Ce n'est pas en fait que Dieu m'a parlé de ce problème. Put your hand on your heart. Seigneur Dieu de gloire. Lord God of glory. Seigneur Dieu de gloire. Lord God of glory. C'est toi qui vois mon frère. You are the one who has seen my brother. C'est toi qui connais ses problèmes. You are the one who knows our problems. C'est qui dérange son cœur. What is this? C'est toi qui le connais. You know. C'est qui dérange sa vie. What is this? C'est toi qui le connais. You are the one. Seigneur, je t'appelle maintenant. Lord, I call upon you right now. Seigneur, je t'appelle maintenant. Lord, I call upon you right now. Seigneur, je t'appelle maintenant. Lord, I call upon you right now. In the name of Jesus. Seigneur, je t'appelle maintenant. Lord, I call upon you right now. Seigneur, je t'appelle maintenant. Lord, I call upon you right now. Glorify your name. Quand il parle. When you speak, quand tu parles, when you speak, Seigneur, tu parles, you speak, la chose arrive. Au nom de Jésus, tu connais mon pauvre, mon frère, tu connais ses problèmes, tu connais ce qui dérange ton cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta main le touche, que ta main le touche, donne la solution à tous ces problèmes. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Parce que le Seigneur t'aime. Parce que le Seigneur t'aime. Lui qui voit tes problèmes. C'est lui qui est venu à ton rencontre. Croyez mon frère. Ne regardez pas la grandeur de ce problème. Mais vois la gloire de Dieu. Regardez la taille de Jésus. Regardez la taille de Jésus. Regardez la grandeur de Jésus. C'est un problème. N'est pas grand que Jésus. Vois la solution. Reçois la solution. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci. Thank you, Lord. Tu as la solution. Tu as la solution. Donc, amen. Amen. Seigneur, bénis l'église. Lord bless the church. Bénis ton peuple. Lord bless your people. Ce que tu les as accordé. What you have given to them. Ce que tu les as donné. What you have given to them. Repose dans leur vie. Put it in their life. Repose dans leur vie. Put it in their life. Ce que tu les as accordé. What you have given them. Repose dans leur vie. Put it in their life. Que ta grâce. May your grace. Repose sur leur vie. Repose upon their life. Ce que tu as dit.
not yourself. Tu vas accomplir dans leur vie. That you accomplish in their life. Accomplish-les. Accomplish au nom de Jésus. In the name of Jesus. Accomplish-les. Accomplish au nom de Jésus. In the name of Jesus. May God go back to toi you. De may God go back to Seigneur, you. Seigneur, merci. Thank you, Lord. Seigneur, je glorifie ton nom. Lord, I glorify you. May God go back to au you. De Jésus, in the name of Jesus. Seigneur, Lord, guéris tout le monde. Heal everybody. Guéris tout le monde. Heal everybody. Réjouis les cœurs de tous. Make the hearts of everyone to rejoice. Donne les solutions à tous leurs problèmes. Give solutions to all their problems. Au nom de Jésus, je prie. Au nom de Jésus, je prie. In the name of Jesus, I pray. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Please sit down. Acclamez pour Jésus. Let us clap for Jesus. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Alléluia. On va donner à ceux qui parlent le français. We're going to give to the ones who speak French. À ceux qui parlent l'anglais. The ones who speak English. Et on va vous distribuer cela. We're going to distribute it to you. Alléluia. Donnez aux anglophones. That's to the English speakers. Alléluia. Donnez à ceux qui parlent l'anglais. The ones who speak English. Et ça c'est pour ceux qui parlent le français. The ones who speak French. Tu vas être là. The RC on the that's my name. That is the RC. That is that's my name. Yes. Und auf Deutsch, wir haben nur ein Blatt, wir geben das erst nächste Woche, nichts heute. Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. May the Lord really bless you. Je sais que le Seigneur va vous mener de loin. And I know that the Lord will bring you far. Les grandes choses. Great things. Vient de commencer aujourd'hui. Will start today. Dans la vie de beaucoup de gens. In the lives of many people. Alléluia. Amen. Dieu va vous faire du bien. God will do good. Servez le Seigneur. Serve the Lord. À travers les dons spirituels. Through the spiritual gifts. Vous allez vous-même voir. And you yourselves will see. Ce que Dieu va faire dans votre what God will do in your life. Amen. Amen. Donc je voulais parler sur les dons spirituels. I wanted to speak about the spiritual gifts. Et aujourd'hui, je m'arrête avec cette message. And today I've stopped this parce que le Saint-Esprit m'a dit de clôturer, m'a dit de le dire encore aujourd'hui. Because the Holy Spirit told me to speak about it parce again today. J'ai parlé le dimanche passé. Because I spoke about it last Sunday. De cette and he told me to speak about voilà it this Sunday. That is why Seigneur, I told the Lord. Comme j'ai beaucoup d'autres messages. And I have many other que messages. Le Seigneur me donne la grâce the Lord has de parler ça seulement aujourd'hui. To speak about alors, it today. Je m'arrête avec les dons spirituels aujourd'hui. Today I'm going to stop the spiritual gifts. That's why. J'ai pu, le Seigneur m'a pu parler sur vous. The Lord sur has votre to situation. Speak about your situation. C'est pour cela j'ai fait la volonté de Dieu. Done the will of God. Mais je sais dans, dans la vie de d'autres personnes, but I know that in the lives of other le people, Seigneur va révéler encore d'autres dons. The Lord will reveal other gifts. Mais attachez-vous attach yourselves to what the Lord has given you. Travaillez pour Dieu. Work for God. Par rapport à cette grâce. According to this grace. Et Dieu va se glorifier. And God will glorify Himself. May the Lord greatly bless you. And may the grace of God rest upon et you. Soyez bénis. And may you be blessed. Soyez courageux. And be courageous. Travaillez dans to work in the work of God. Ne regardez pas votre paresse et votre fatigue. Don't look at your tiredness. But le Seigneur est avec vous. The Lord is with you. Les grandes choses. Great things. Viens de commencer. We have started. Que le Seigneur vous protège. May the Lord protect protège you. Protège vos familles.